Attends, venez en test. Si ça lag, je fais la mise à jour. À force, Déon, les fantasmes deviennent foi. Va falloir redémarrer le PC. Non. Non. Et bien peu obtiennent les révélations qu'ils désirent si ardemment. Dans un conflit entre divinités, les mortels sont-ils de simples pions? Oui. Chair des dieux ou mort incarnée, tout sera consumé. Car elle doit se repaître. La pâte? Ah, on en veut plus. Mettez-nous en plein là, des cinématiques comme ça, plein la gueule, s'il vous plaît. Plein la gueule. Comment ça, le son? Plus fort? Deliverance to a worthier servant than I. Ok, je le monte, je monte. Il va mourir et c'est moi qui vais retrouver la lanterne. Et voilà. Je n'ai jamais été de taille croisée, tu as échoué. Fais peur. Ah ouais. Un poil radical. Laisse-le répondre, quoi. Laisse-le répondre juste. Ok, moi je vous le dis, moi je vous le dis. Les musiques, on est dedans. Moi je vous le dis, je vais faire soit... Alors, un chevalier, ça j'aime beaucoup. Un loup guerrier, qu'est-ce que c'est que ça? Ouf, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une baguette au mieux. Un partisan, c'est quoi ça? Pas mal. Mon steed fantassin, c'est quoi ça? Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Fantassin, pas mal. Pas mal. Lui, il se donne un style. Lui, c'est un petit faux, il est pas si ouf. Il attend que ses potes y aillent et meurent avant d'y aller et de voler le mérite. Lui, je le sens pas. Lui, bon, frérot, les rogues, on va s'est pété les couilles sur WoW. Prophète d'Orius, ça doit être... Voilà, mec, ça c'est un mec magie. Après, je sais que généralement la magie dans les action RPG comme ça, c'est cheaté. Ok, un pyrocultiste. Ouh, il est stylé, lui. Classe avancée, il y a marqué. C'est-à-dire qu'il faut être un PGM. Classe avancée. Ok. Et le condamné, c'est quoi? Ah, ça, je pense, c'est le mode de jeu. Ouais, ça, c'est le mode de jeu, genre... Regarde, tu pars avec des trucs à tes pieds et un seau accroché à toi, quoi. Ça, c'est le mode de jeu dur. Moi, je vous dis la vérité, le Saint Chevalier... j'adore les persos qui ont une grosse armure et un bouclier, tu vois. Mais en même temps, c'est le truc que tout le monde va prendre, ça. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la radiance. Lugia, c'est de la merde, j'aime pas. À la limite, lui, j'aime bien. Lui, j'aime bien aussi. Un vétéran de l'infanterie qui a passé assez de temps dans la boue, le sang et le chaos de la guerre pour figer l'agilité, la vitesse et la capacité de tenir l'ennemi à distance. Une classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt que les armures, plutôt que la force et les armures pesantes. Donc là, on va plutôt axer notre gameplay sur l'esquive que sur le blocage. Moi, j'aime bien. Pierrot, ça fait quoi? Un fervent adorateur d'Adir qui a juré de ramener l'ordre naturel et le seul vrai dieu de l'humanité à sa tête. Classe à haut risque, axée sur la maîtrise du brasier. À haut risque, donc je pense pas que c'est pour les noobs. Hein. Je pense pas du tout que c'est une classe pour les noobs. Hein. Je pense au contraire que t'en chies avec ça. Hein. Tu ressembles de fou. T'as pris un timeout, hein, toi. Vous voulez qu'on prenne une classe avancée? Après, ça me fait pas peur. Je vous dis la vérité, dans ce genre de jeu, ça me fait trop pas peur. Lui, c'est un paladin. Il est guidé par sa foi indéfectible. En Orius, dont il répand la lumière sacrée, classe physiquement vulnérable qui s'appuie sur la radiance pour se protéger ou calciner les chères pécheresses des hérétiques. J'aime bien le RP de ça. Genre, par la lumière!
pour Demacia. J'aime bien le RP de... J'aime bien le RP de ce perso, je vous dis la vérité, j'aime bien le RP de ce perso. Un peu de lumière, un rayon de lumière dans vos vies. Je le trouve pas mal. Après, c'est une classe avancée, donc je pense qu'on va en chier quand même. Ceci dit, lui aussi, hein. C'est devenu un coupe-gorge nomade qui élimine vite et bien pour une bouchée de pain. Cette classe est difficile à maîtriser, mais d'une efficacité mortelle. Que la lumière soit... Les gars, on prend le mec lumineux, là. Je suis désolé, les gars. On prend le mec lumineux. Les gars, je sais que vous voulez... Vous savez pourquoi vous voulez le pyrocultiste? Parce que vous êtes des petits kékés, voilà. Parce que vous êtes des petits kikoulol. Oh, il a de l'énergie sombre. Il a une capuche, un gros bâton, je suis attiré. Vous jouez mage, givre, vous, sur vous, d'accord? Non, vous jouez démoniste. Vous mettiez des dots, là. Des dégâts d'affliction, de la petite merde. Et vous croyez trop dark. Hey, je lui ai mis des dots, il va mourir. Hop là, je me faisais heal par la lumière d'Orius. Et je mourrais pas. Allez, c'est bon, lui, il est extraordinaire, les gars. Allez, moi, je prends lui, je vous le dis, je prends lui. Petit démoniste de merde là, pour qui vous vous prenez là? Je suis trop dark, j'ai dompté des démons, un coup de fouet. Allez, ça dégage. On va prendre lui, il est somptueux. Morphologie, qu'est-ce que je peux changer? Hein? A ou B, ça change quoi? Ah, le genre? Je vois pas la... On voit que ses yeux, bah retirer le bandage quoi. Non? Bon, vas-y. Rien compris, on prend ça. Suivant. Ah oui, d'accord. Ah, bah voilà. Faut qu'il ait une tête lumineuse, les gars. Là, il a une tête vraiment pas lumineuse. C'est... Ah, voilà, voilà. Lui, j'aime bien. C'est un homme qui a vécu des choses, ça. Ça, c'est un mec qui a vécu des choses. Ok, cheveux, qu'est-ce qu'il a? Une coupe de quelqu'un qui a vu la lumière. Ça ressemble à quoi, un mec qui a vu la lumière? Attends, mais ça, on dirait un... Frérot, on dirait un perso de Tekken, là. On dirait un mec qui fume des clopes et... Et qui boxe. Ah, lui, il a vu la lumière. Et elle était bien au-dessus d'elle. Je vais vous dire, la lumière, elle était bien au-dessus d'elle et il y a laissé quelques cheveux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Lui, clairement, il l'a vu, la lumière. Il est fatigué. Voilà, avec des roues flaquettes. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Qu'est-ce que tu vas me faire? Putain, waouh, mais attends, il y a combien de... Non, merde, j'aimais bien le visage qu'on avait, je suis dégoûté. Ah voilà, ça là. Mûr, jeune, âgé. Non, je pense qu'il est mûr, il est mûr. Un homme qui a vu la lumière, c'est un monsieur mûr. Ouais, voilà, là il y a de la lumière dans ses yeux, hop. Oh lui il est blasé, regarde, il en a marre d'avoir vu la lumière. Il en a marre d'avoir vu la lumière. Ses yeux veulent plus la voir, tu sais, ça s'affaisse pour le protéger un peu là. Ça c'est pas mal. Oh. Oh le nez de fou comme ça change le visage, c'est incroyable. C'est fou comme ça change les émotions qu'on ressent pour lui. Ça change notre méfiance à son égard, genre juste son pif. Vous avez vu l'impact d'un pif? Tu m'étonnes que les gens ils font des rhinoplasties quand ils aiment pas leur pif. T'as vu l'impact quand tu... Imagine que tu te vois. Ce que tu ressens quand tu te vois, c'est absolument pas ce que les gens ressentent. Bah évidemment que t'as envie de changer de nez. Si tu imagines qu'ils ressentent ce que toi tu ressens quand tu te vois. Alors que pas du tout. La plupart des complexes, c'est ça. Regardez-moi ma calvasse. Ah non, vous ressentez la même chose? Non, je pense que ce nez-là... Comme ça, j'aime bien ce nez-là. Bon, les oreilles, on les voit pas, elles sont roux flaquettées. Ouh, là, il commence à me faire bader. Hein, hein?
Et c'est quoi là, il y a un bug là? On dirait qu'il réfléchit. Quelle dose de lumière je t'envoie? Il est parfait, les gars. Le gars, il est parfait. Je suis désolé, il est extraordinaire. Merde. Il est extraordinaire. Merde. Bah, c'est bon, là. Il est extraordinaire. Texture, c'est quoi? Ah non, ça, c'est bon. Tatouage. Merde. Tatouage, je sais pas. Moi, je pense qu'il y en a pas un. Ouah mec, il fait tellement peur, frère. C'est une folie. C'est bon, allô? Ah, mais en fait, je peux changer le corps. Oula, ouah! Ah non, mec. Mais attends, ouais. Attends, qu'est-ce qui se passe? Mais j'aimerais qu'il ait un peu de muscle quand même. Tu sais, je veux qu'il soit un peu stock. Attends, mais comment je fais pour le... Voilà, un truc comme ça. Un peu plus même si je peux. Ah, c'est dur. Ah, mais après, ça retire... Voilà, 2% de muscle. Il a 2% de muscle. On le fait muscler. Attends, si je le mets musclé, mais que je le mets large à fond, genre... Ah non, du coup ça le passe en large, ok. Ok. C'est un Kratos du pauvre. Attention à la hitbox. Ah oui, ça, tu penses que ça change la hitbox? Non, arrête, sans déconner. Moi je pense comme ça il est bien. Comme ça il est bien. Ok. Voilà. Allez jouer. Attends, renommé. Allez. Ah, c'est bon. Comment vous voulez l'appeler? Comment on l'appelle? Il a l'air trop nul. Non, les gars, il va brûler les ennemis avec sa lumière. De quoi tu me parles? Il va être extraordinaire. Garen. Pour Demacia. Igor, j'avoue, Igor, ça lui va bien. Squeaky. Ah, mais oui, c'est lui le Squeaky originel. Squeaky, c'est ça? C'est lui? Allez, on y va. Ok, ça part. Attention, les gars, c'est une classe avancée, hein. Ça veut dire on va en chier, hein. Ça va pas être facile, hein. Qu'est-ce qui se passe? Lord, merde, j'ai niqué le chat. The latest receiver of his grace. Merde, j'ai niqué le chat. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. C'est trop beau. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Putain, on va en chier, les gars. On va en chier. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Que la lumière nous guide. The bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Par les pouvoirs qui me sont conférés. Je vais adorer notre RP sur ce jeu. Je vais adorer notre RP. Il est trop stylé. Moi, je l'aime premier degré, frérot. Regarde comme il fait peur, mec. La vie de ma mère, c'est le perso qui faisait le plus peur. Il est terrorisant, frérot. Je suis Keblo. Allô?
C'est... Ah! C'est bon, pardon. Excusez-moi. Allez, les gars. Allez. Ces jeux-là, les gars, j'en fais mon habitude. Ça, c'est probablement le petit coup. Le touche de derrière, c'est le gros coup. Voilà. En haut à gauche, regardez, j'ai ma barre de mana et ma barre de trucs. Le gros coup, je peux le charger. Évidemment, si j'arrive à mettre ça à un ennemi, ça va l'exterminer. Le petit coup, je peux pas le charger. Rond, c'est la roulade. Voilà. Mais les gars, voilà, carré, ça me rend de la vie. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis un pro sur les jeux. Il n'y a pas besoin de me faire un tuto, attaque rapide, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Mais pour qui tu me prends? Lui, je le charge. Ok, putain, ça rend beaucoup de vie les croix là. Allez, on avance. Je vais adorer le jeu, les gars. Je vous le dis, même pas parce que je suis en sponsor, je pense que je vais me le faire, le jeu. C'est vraiment ce que j'aime du début à la fin, les jeux comme ça. Bah, c'est un sous de like, quoi. J'ai fait tous les sous, les gars. Alors, amateur, allez, viens me battre. Oh, bah, le temps que t'arrives... Ah, oh, t'as une portée de fou, fils de pute. Moi qui commence à faire « Eh les gars, les souls, c'est la routine nanana. Ah oui, la cam, pardon. Vous voyez pas ma vie. Attends, parce que j'ai le chat là. Ah ouah, c'est mis... Ah non, c'est... j'ai mis le bordel là. Aïe, 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 je peux la mettre où? Là? Je la mets là? Allez, je la mets là, c'est pas mal. Ça, du coup, je la mets là. Et voilà. Excusez-moi, attendez, mon chat est redevenu minuscule. Mais je m'en fous parce qu'on est en grande finale des Worlds de Fortnite. Wouh! T'es à zéro en croix, mais j'ai pas besoin, frérot. J'ai juste pas besoin. D'ailleurs, faut que je check un peu le loot et s'il y a pas des coffres ou des trucs comme ça, parce que dans ce genre de jeu, c'est vital. Je suppose que... Hein? Oh, c'est la lanterne magique du gars. On l'a récupéré. Et à quel moment exactement on a de la magie, là, nous? Bon, de toute façon, attends. Les gars, je suis en train de brûler les étapes du tuto, mais bon... Ah oui, ça marche plus, ma croix elle est cassée. Ok. Ah, il y aura des trucs de jump. Ok, bon, petit piège, c'est normal. Toujours comme ça. Ah, un feu. Ah non, c'est du loot. Non, faut arrêter de lever cette croix, elle est vide. Elle est vide, je suis nude, j'ai tout utilisé. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est la monnaie du jeu? Il va y avoir un... Ah non, ok. Ah non, le saut, j'aurais dû le réussir en fait, my bad. Mais comment ça se fait? Ok, fallait juste que je le fasse mieux, my bad. Quand vous verrouillez une cible, rond pour esquiver. Appuyez deux fois pour échapper au danger avec une roulade. Ah ouais? Je suis nul. Je suis nul et pitoyable. Bâton pointu, ok. Alors je sais pas quelles armes sont possibles et tout avec ma classe. Caillou de lancer, ok. Ouvrir votre inventaire et appuyer sur le truc, ok. Donc j'ai eu quoi là? Ah mais regarde, si je l'ai mon sort, vous avez vu? C'est sur R1. Une éruption de radiance qui blesse les ennemis droit devant. Pas mal. Donc c'est R1. Mais non, parce que... Attends, il y a un bruit que j'aime pas du tout là, qui est en train de me stresser de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai loot? Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai loot? J'ai looté un truc, non? Non, j'ai rien loot? Si, regarde. Un bâton pointu. Ah, ça c'est pour brasier, donc c'est pour les mecs, je pense, qui jouaient la classe que vous vouliez qu'on joue. Ça c'est quoi? Maîtriser mieux la radiance pour en savoir plus. Deux cloches qui servent de... Ah, mais ça c'est pas le truc... Ah, bah là, je l'ai là. Bah... Ils veulent pas me dire comment envoyer un sort, là? Attends. Ah! Flèche duo pour passer en mode tir et L2 pour utiliser l'arme de tir ou le machin. Ok. Pour les arcs, maintenez L2. Pour les catalyseurs, maintenez L2 afin de rester en mode tir, le mieux d'accès rapide, indique la touche utilisée pour chaque sort. Ah! Alors attends. L2. Et c'est R1. Ok. Donc je le vise, R1. Par la lumière sacrée! Par la lumière sacrée! J'adore ce perso.
Oh bah regardez, en plus je peux même faire tomber ce truc là. Par la lumière. Oh, j'ai eu un loot de fou là. Une croix en bois. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon truc s'active? Ah, c'est ce qu'il y a dans le monde des morts. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des bruits de pas. Non, c'est bon. Ah, mais t'es là, frérot. Mais viens plus tôt. Viens plus tôt, frérot, tu nous terrorises. Il me fait peur depuis tout à l'heure. Bon, vas-y, je me casse. Mais les gars, c'est quoi ça? Le tuto, il devrait me dire ce que c'est, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est, frère? Vous ne pouvez pas planter de graines vestigiales que sur un je sais pas quoi, donc ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avance, continue. C'est rien, ok. Il va te dire en 3 secondes. Bah oui, je suis con, j'ai juste un temps d'avance sur ce tuto. Je suis un professionnel. Ah, ok. Ah ouais, ok, ça rajoute un truc d'énigme assez fou, quoi. Et là, il y avait le... Ah ouais, du coup, là, je peux passer derrière. Ok. Appuyez sur l'un et l'autre simultanément pour effectuer une attaque à plusieurs coups. Hein? Simultanément, il a dit ou... L1, R2. L1, R2. Ah non. Hein? Attends. Je peux la prendre à deux mains ou à une main. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Mais le L1 et R2 il marche pas les gars. Allez viens. Bon frérot. Et voilà, il fallait que tu me devais un. J'ai plus de heal hein, je vais peut-être mourir les gars. Non? Je crois que je vais mourir. Le L1 R2 ça marche pas. Ah peut-être à deux mains ça marche, attends. D'accord, ça marche à demain, j'ai compris. Donc vas-y, lui, on va lui faire ça. Par contre, ils font un bon en avant de fou, hein. Ok, ok, ça marche. Ok, donc c'est triangle pour changer. Ok, putain, il y a beaucoup de commandes, hein. Le gameplay, il est deep, hein. Attends, là, il y avait un tuto. C'était quoi? Allô? Ah, il grand... Ah oui, c'est le truc... ok, ok. Bah, il devrait te dire ça et ensuite te dire de faire L1 machin. Hein? Prenez-en de la graine, les devs! Le sang guiranique, c'est votre principal outil curatif. Oui, j'ai déjà tout bouffé, les gars. Je vous le dis, j'ai déjà tout bouffé. J'ai déjà tout bouffé. Petite grappe de manalite, ça fait quoi? Oh, c'est mon mana! Regarde, ça me redonne du mana. C'est adorable. Mais attends, mais quoi? Ah ok, quand j'ai ça, c'est que je dois prendre ma lampe et appuyer sur carré. Hein? Qu'est-ce que je viens de branler? Les frérots... Je... Ah d'accord, je viens de passer dans une faille. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok, ok, ça me va, ça me va. Ok, ok, pourquoi pas. Merci pour les subs, Vosmaye, merci. Est-ce qu'il y a le jump qui fait mal?
c'est un peu trop tard, les gars. Appuyez votre lampe, levez-la et puis sur R2 pour extraire l'âme de la cible. Bah, mais ça, fallait mettre juste avant que je saute, quoi. Oh non, c'est bon. J'ai explosé. Et ça fait quoi? Ça me donne un truc de... Ah, ça m'a redonné de la vie. Ça m'a redonné de la vie, les frérots. Ok, alors le truc de la lampe, ça rajoute du gameplay, mais c'est... C'est pas simple, hein. Là, je dois faire quoi, là, par exemple? Je dois descendre, je crois. Ouais. Alors, verrouillez un ennemi, utilisez votre lampe d'ombrale, levez-la, appuyez sur R2 pour extraire son âme. Quand l'âme d'un ennemi est exposée, attaquez-la pour lui appliquer un effet d'érosion. Attaquez un ennemi sous le coup d'une érosion pour infliger de lourds dégâts. Alors, attends, ça veut dire, je fais ça. Hop, toi, je te prends ton âme trou de balle. Boum. Et ça, si je le tape... Oh, ça permet de lui mettre des dégâts de fou à distance. Oh, c'est Ilaoi dans League of Legends. Vous avez compris ou pas? C'est littéralement Ilaoi dans League of Legends. Ilaoi, je sais pas quoi. Je sais pas comment on dit, je joue à LoL depuis une semaine, bon. Enfin, depuis une semaine, non, je torche les arames depuis près de 2 mois. Bon, bref. Ça va s'ouvrir, logiquement. Attends, il y avait un tuto. Brûler l'objet, ok. Donc en fait, quand tu passes dans ce monde, il faut juste extraire les âmes des gens, quoi. Extraire l'âme d'un ennemi consomme une charge. Sélectionnez la lampe avec nain, levez-la, puis drainez les ennemis et les cloques avec R1 pour regagner des charges d'extraction d'âmes. Donc en fait, ok, ça consomme de la charge et tu dois recharger ton truc après. Genre là, j'ai plus de charge. Je dois faire ça et ça. Ok, donc dès qu'il y a des cloques, ça me permet de recharger. Ok, sympa. Putain, c'est le gameplay, il est profond, frère, hein. Votre santé est érodée quand vous passez dans l'umbral ou effectuez certaines actions avec votre lampe. Vous pouvez regagner votre santé érodée en infligeant des dégâts aux ennemis. En revanche, si vous la perdez instantanément, si vous faites toucher. Ah, ok, donc là, le but quand tu engages, c'est de pas te faire toucher, d'accord. Mais là, de toute façon, je peux juste l'extraire, lui. Je peux lui extraire son cul, regarde. Hop, hop. Là, comme je l'ai à deux mains, j'ai juste à faire ça. Allô? Pardon, pardon! Par la lumière sacrée! Ah ouais, ils TP, mec. Ils font un bond en avant de fou, les mecs. Hein. Ça va être piégeux. Je vous le dis, ça va être très, très, très piégeux. Du coup, faut que je reprenne ça. Faut que je reprenne les cloques, là. Faut en retirer plein pour récupérer les trucs. Ok, je crois que j'ai tout, hein. Ah, il y a 2 mecs, là. Attends, je vais prendre ça avant. Il y a 2 mecs, mais si je fais ça... C'est extraordinaire, ce que je viens de faire. Je suis un joueur extraordinaire. Je peux pas le taper, ça? My bad, j'ai confondu 2 options. C'était quoi ça déjà? R1? Non, R2? Ah ouais, c'est ça. Et donc ça, ça me donne du loot. Une quintessence sainte. Ok. Les gars, on passe un bon moment, non? En vrai. Le personnage, il ressemble à Jax, c'est vrai. On fait beaucoup de ref à LOL, hein, mais... appuyez sur R1 ou R2 pour effectuer une attaque plongée. Avec grand plaisir, regarde un peu. Et voilà. Ok, c'est super, on est vraiment extrêmement fort. Là, je suppose qu'il y a un passage. Yes. là, il y a un passage là, regardez. Ah, cool. Faut repasser dans le vrai monde. Là, il y a un passage là. Ah, c'est là? C'est là. Allô? Oh! Faut que je remonte? Ah oui, faut monter en fait, pardon. Ça, je prends. Ok, donc je pense que du coup, vous voyez, j'ai qu'une dose de ça. Tu arrêtes au cinéma. Ami dont l'âme est extraite peut être poussée dans toutes les directions. Ah, donc je peux le faire tomber, ça veut dire l'âme? Un séjour prolongé dans l'ombrelle attire l'attention de ses hôtes les moins recommandables. Plus vous vous y attardez, plus les créatures qui vous traquent sont dangereuses. Ok. Ah donc lui c'est un putain de boss.
Ça veut dire qu'on va faire un... on va faire ça. Objet. Par la lumière sacrée. Tu crois qu'ils me font peur? Tu crois vraiment qu'ils me font peur, tous ces amateurs? Toi, je sais que t'as me baiser dans le dos. Les gars, ma run va être exceptionnelle, je peux pas vous dire mieux. J'ai tout compris. Ma run va être exceptionnelle. Quand t'es dans ce monde, c'est le monde des morts, la lampe elle permet de voir le monde des vivants. Ah oui, donc là, via la lampe tu peux voir le monde des morts, mais quand t'es dans le monde des morts, tu peux pas voir le monde des vivants. Donc je pense que le jeu va alterner de l'un à l'autre quoi. Genre, ah mais ça par exemple, je peux faire un truc je crois. Non attends, tac tac. Non ? Faut pas te baiser ça ? Non, ok. Vas-y, on passe par là. À toi, je dois te prendre, toi. Toi, je dois te faire ça, ça, ça. Ça va tout libérer. Ok. Et très bientôt, on va affronter le premier petit boss du jeu pour nous montrer ce que c'est qu'un vrai combat contre un adversaire à notre taille. Regardez bien, je connais par cœur les jeux vidéo. Ça fait plus de 15 ans que je joue au jeu. Vous allez pas me la faire. Je sais parfaitement comment ça marche. Ok, donc là, du coup, je vais revenir... dans le monde des vivants. Boum, je suis dans le monde des vivants. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ok. Et tu devais tomber, comme ça. Voilà. Et ensuite, tu meurs comme ça. Voilà. C'était juste pour qu'on ait bien le tuto, quoi. Mais attends, mais là je suis revenu au... Ah oui, la porte elle s'est ouverte, je suis con, j'allais refaire le trajet en sens inverse, je suis vraiment débile. Ok, premier mini-boss. Tu l'as fait 10 fois plus vite que Locke, mais c'est normal les gars, je suis un bien meilleur joueur que Locke. Là c'est l'église, on avait baisé le boss. La première... pas du tout. le vestige, donc c'est ok. C'est les checkpoints. Ok, normalement je récupère toutes mes potions et tous mes trucs. Non. Si je me repose, boum, et que j'améliore le personnage. Ok. Améliorer le perso. Alors, qu'est-ce qu'on améliore là en tant que. La radiance ou la santé? Il va falloir trouver des armes qui se stackent sur la radiance, putain. Santé, ça nous fait passer à combien? On gagne 127. Ah non, c'est la vitalité, pardon. C'est où les points de vie? Je vois même pas. Ah, c'est à droite, tout en haut à droite, regarde. On gagne que 20 points de vie. Bon. Moi, je pense que... Ah ouais, merde, la cam, elle est au pire endroit. Santé ou radiance? Vitalité ou radiance, vous pensez? En vrai, vitalité, c'est toujours un truc safe. T'en as toujours besoin tôt ou tard, tu vois. Et endurance, je crois que c'est le mana. Ah non, c'est la vigueur. Le mana, du coup, c'est... pour augmenter ton nombre de mana. Bah, c'est en augmentant la radiance. Ça augmente tes points de dégâts et aussi ton mana. Moi je dis en première stage, j'ai envie de mettre radiance. Voilà, je vous le dis, je vous fous l'RP, un peu plus de lumière. Un peu plus de lumière. Bon, on s'est reposé, on a le checkpoint, on est au top. Et là, bienvenue dans le vrai jeu, messieurs dames. Bienvenue dans le vrai jeu, est-ce qu'il n'y a pas un truc caché juste ici? Non. Bienvenue dans le vrai jeu, maintenant il n'y a plus qu'à aller déglinguer le premier boss. Et croyez-moi, on va le first try. J'ai eu la carte, logiquement j'ai une carte. Ouais, c'est ça. Et attends, on avait loot un petit truc là, c'était quoi? C'était pas ça. Une croix des saintes sentinelles, peut faire office d'arme. Ouais, ok, c'est nul. On avait pas eu un truc là? Attends. Ça, c'est tout ce qui est équipé. Ah, c'est ça. Une relique servant à améliorer le sanguinarix. Maîtrisez mieux la radiance pour en savoir plus. Ok. Bah, ça tombe bien, je viens de mettre un point de radiance. Alors, bloqué en maintenant L1, attention par contre, ça érode votre santé. Il faut frapper les ennemis pour récupérer la santé que t'as perdue en érodant. Par contre, tu peux parer les attaques en appuyant sur L1 juste avant l'impact pour recevoir moins de dégâts d'érosion et infliger de lourds dégâts de posture à l'ennemi. Quand la posture de l'ennemi est au point de se briser, étourdissez-le avec une attaque lourde. Ok. Vas-y, je le first try parade, regardez bien. First try parade, c'est maintenant. Pardon. Regardez bien. J'ai analysé, vas-y on fait.
Ça l'a pas contré. Ça l'a pas contré. Vas-y, fais le mec, tu vas voir. Pourquoi ça le contre pas quand j'appuie au bon moment? J'ai... Oh! Mais il est pas censé être contré, frérot. C'est une folie, ça. Ah, en fait, c'est la petite barre qui est autour de lui, d'accord, je capte. Ah, oh, pas sympa, le type. Par la sainte lumière! Il est nul. Franchement, il est nul. Je vous dis la vérité, il est nul de fou. Il vient de battre. Merde, je me suis trompé de touche. Je suis en train d'assimiler toutes les touches. Salut. Ok, en fait, c'est dur de parer. Parer, c'est dur, hein, en vrai. Normal. Normal. Attends, mais lui, c'est le boss de fin de jeu, frérot. Il va m'exterminer la gueule. Non. Il va me tuer, là, par contre. Ah, c'est sûr, je vais mourir. Je suis obligé. C'est scripted. Imagine, je vais faire first try. Attends. Il est où? OMG, je vais mourir. Il est où? Il est là. Il est au-dessus, je le vois pas. Qu'est-ce que je fasse, frère? Mais frérot, j'ai fait 0 points de dégâts. C'est impossible de battre. Je suis obligé de mourir, je vous le dis, je suis obligé de mourir. Là, je suis obligé de mourir. C'est le boss de fin. OMG. OMG. C'est le mec dont il a coupé la tête qui revient. Attends, quoi? C'est passé. Regain de vigueur après la mort. Si vous périssez dans l'umbral, vous lâchez toute votre vigueur actuelle à l'endroit de votre mort. Vous pouvez ensuite la récupérer avec votre lampe. Toutefois, si vous mourrez à nouveau dans l'umbral avant de récupérer la vigueur, elle sera définitivement perdue. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai acheté un... Donc ça, en gros, tu récupères la monnaie que t'as eue en tapant des monstres avec ça, quoi. Et comment je la récupère? Avec R1? Avec R2. Ah non, faut juste appuyer sur X. Je me disais, imagine, tu dois faire ça en plein combat. Et du coup, j'ai la lampe. Le mec qui s'était fait couper la tête, finalement, il a l'air d'être encore en vie. En vrai. Alors, deux chemins possibles. On va prendre celui-là en premier. Et voilà, un petit objet caché. Une peau écorchée, on la prend. C'est possible, il y en a qui l'ont fait. Ah ouais, il y en a qui ont réussi. Non, mais je pense que c'est genre quand t'es vraiment le boss du boss, quoi. Comment c'est Kuro, tu peux le buter, mais faut le no hit, donc le one shot. Après sa descente de monture, sa barre de vie est rouge, il prend 1% de dégâts par coup. Ah ouais, non, mais je pense que pour réussir ça, faut être genre faut avoir déjà joué plein d'heures au jeu, quoi. Ah, il y a des parasites, je dois les drainer, what the fuck. Bon, je fais le tuto, tu me laisses. C'est tout? J'ai même pas vu c'était quoi les parasites. Enfin bon. Ça peut renforcer les autres créatures. C'est ça les parasites là? Ah, des dieux. Ah, y'a un truc. Qu'est-ce que j'ai? Une carte de la rouge futée désertée. J'ai pas trop compris le truc des parasites, je dois être absolument honnête avec vous, mais...
C'est pas grave, on aura pas besoin. Ok. Il y a un ennemi là. Ah c'est ça. Faut que je saute là, hein. J'ai pas le choix. Je suis mort là. Oh putain, il était en face, je suis trop con frère. Oh, je suis mort comme une merde. Je suis abattu. Je suis mort en sautant dans le vide. Premier degré et transparence, tu trouves comment le jeu pour le moment? Bah je passe un bon moment, après c'est un Souls-like quoi. Donc moi je sais que j'aime ça, après c'est les goûts et les couleurs. C'est les goûts et les couleurs. Moi j'aime bien, pour le moment, je trouve que le gameplay il est très fluide, c'est beau, j'aime bien le délire glauque et tout. Pour moi la DA elle est bien. Oula, c'est qui lui? Faut juste le temps que je m'habitue. Il y a beaucoup d'options, tu vois. Entre la lampe, le monde des morts, des vivants, le truc pour lancer des sorts, le machin, tu vois, je me dis merde, les sorts c'est peut-être too much, j'aurais peut-être dû faire un perso full corps à corps. Mais bon, bref. Cette lampe, comme un vulgaire outil qui se plie à votre volonté. Prenez-le à la légère et vous vous apercevez que c'est tout le contraire, croyez-moi. Ok. Je ne sais pas qui vous êtes, je m'en fiche, mais puisque vous portez la marque d'Adir, il est dans notre intérêt mutuel de vous renforcer face au regard. Bah vas-y. J'ai la volonté des dieux et des rois. Si vous souhaitez connaître un sentiment de liberté, vous ferez de même. Bah vas-y, renforcement. Bah frérot, je sais pas, tu peux pas faire un truc. Pardon, excuse-moi. C'est nouveau pour moi cette lampe, je donne des choses. Ah bah y'a rien investi, magnifique. Du coup je vais redevenir vivant. En me reposant et je vais récupérer mes trucs. Il a la lampe aussi lui hein. Il a la lampe aussi hein. Ok. Bon, j'ai hâte du premier vrai boss, les gars. Parce que là, tout à l'heure, c'était pas un boss. Des fragments d'événements souvent traumatisants qui ont lieu dans l'action peuvent apparaître. Tu prends la lampe et t'appuies sur carré pour ouvrir le truc. Tu vois, y a beaucoup de contrôle. Non, c'est moi qui suis con ou... Faut que je le verrouille. Et que je fasse quoi? J'ai oublié. R2? Non, j'ai oublié. Tu vois, y a trop de choses, en fait. J'ai oublié. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord ouvrir une faille. Ah, d'abord je dois faire ça. Ok, ensuite je peux la sélectionner et faire ça, d'accord. Oh, waouh! Ah, ils sont fait déglinguer. Wesh, wesh! Frérot, il y avait des ennemis derrière les visions! Il y avait des ennemis derrière les visions! Comment je dois deviner ça? Comment je dois deviner ça? Oh frérot, ma vengeance elle va être folle. Ma vengeance va être extrêmement satisfaisante. Donc toi, ta vision de merde là. J'en ai rien à foutre, d'accord? J'en ai rien à foutre. Je suis quand même obligé de le faire pour que les monstres apparaissent, mais vraiment, toi, je m'en fous. Allez, hop. Mais attends, ils sont arrivés d'où, les monstres, en fait? Ah, ils sont là-bas. Regarde, il y en a un là, en fait, à gauche. En fait, je vois rien avec la vision. Par la lumière sacrée! Par la lumière qui m'a investi! Maudit démon! Mais l'autre avec sa bombe là-bas, il me pète. Et franchement, il a failli me la mettre là encore. Il a failli me retuer. Aïe! Faut que j'esquive maintenant. Et voilà, je connais par cœur ces jeux. Ah ouais. Mais pourquoi tu focus? Ah ok, c'est ma faute. Arrête de focus L. C'est bon. Pardonnez-moi. Ça n'arrivera plus, on meurt plus jamais de la soirée. Je vous le dis. Allez, je récupère mes thunes, mais j'avais zéro thune en vrai. Donc elle là, j'ai rempli ma part du tuto ou pas là avec elle là? C'est fini en fait. Je crois. Je sais pas. Il y a quoi là? Rien là. Que dalle là. Bah. Ah mais ça se transforme en monstre! Frérot, c'est fourbe!
C'est fourbe quand même. Allez, un bâton pointu. Non, toi, tu te... Ok, en fait, les visions, elles peuvent se transformer en monstres. Putain, ils nous l'ont pas dit, hein, les petits bâtards. Là, le... Ça m'a mis un chemin. Ah, là, je peux émerger du monde des morts. Ok. Ben voilà, dans le monde des vivants. Et j'ai là un chemin qui doit me mener, je suppose, à un truc secret de... Ok, ça y est, là, le jeu commence. Ça y est, le jeu commence. Faut faire gaffe parce que y a l'autre. En fait, je vais essayer d'éloigner eux pour aller niquer l'autre là-bas. Là. Parce qu'eux, ils me font chier. Hein. Le problème, c'est qu'ils avancent à la même vitesse. Non, lui, il est peut-être un peu plus rapide. Vas-y, viens. Ah, il a fait un autre move, il s'est jeté. Ok, ok, ok. Les gars, je capte les... Ah oui, du coup, je suis pas mort parce que je viens d'émerger. D'accord, en fait, t'as tout le temps de vie. Ok, c'est intéressant. Je suis désolé, je dois te neutraliser parce que tu es le plus emmerdant. En fait, ouais, quand il tape, il se jette en avant, c'est très fourbe. Hein. La hitbox, elle est genre, le mec, il fait vraiment un pas de géant en avant. Ok. Bon, bah, ok, on a reperdu une vie. Il va falloir qu'on retrouve un truc pour émerger. Au moins, ça peut pas être pire, c'est ça qui est bien. Alors, lui, là-haut, il va nous casser les couilles. Oh non. Je suis mort. Il y a des tourelles en haut. Alors comment on va en haut? Comme ça. Je vais péter ça. Salut le sang. J'espère que tu vas bien. Ok. Maintenant on va aller se faire l'autre tourelle. Tout en tuant lui. Je suis un putain de PGM les gars. Je vous dis les jeux comme ça je connais par cœur. Là, il y a un mec par derrière qui va probablement m'en coller une dans pas longtemps. Non, c'est bon, il a pas suivi. L'autre, il va envoyer son truc. On y va. Esquive maintenant. Aïe, 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 j'ai failli mourir. J'ai esquivé, mais j'avais plus d'endurance, my bad. Faut que je mette un coup, je me casse. Ah, oh, je suis mort, putain, il en restait un. Ok, waouh, ok, 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 ok. Ok. Bon, je commence à m'habituer, rassurez-vous. Je commence à m'habituer. En fait, ce qui est dur, c'est que je trouve que les coups des adversaires, quand il tape, il fait vraiment un grand pas en avant, je trouve. Genre, c'est presque comme s'il était téléguidé, tu vois, vers Watt. Donc, faut juste le temps que je m'habitue à ça. Allez, allons récupérer tout ça. Cette fois, la vision, je m'en bats les couilles. Je vais pas aller dans la vision, je pense qu'on s'en fout complet. Ah ouais, putain de merde, c'est vrai qu'il y a lui. J'ai esquivé de justesse, là ce serait parfait, je peux taper maintenant, comme ça j'ai les deux. Aïe aïe, trop rapide. Ok, eux ils font mal, hein, putain. Là c'est Samuel, je vais sortir du monde des morts. Celui qu'il faut que je nique, c'est lui. Pourquoi ma truc elle s'active? Ils veulent que je fasse un truc? Pourquoi? Ah mais c'est vrai que j'ai oublié une fonctionnalité les gars. C'est vrai que je peux faire ça. Je suis trop loin pour le faire. Je suis trop loin pour le faire. Je pense que je suis trop loin pour le faire. Je pense. Ok, ils sont assez éloignés. Non, toujours pas. Les gars, je dois tryhard dès maintenant parce que ça commence à être dur dès maintenant. Ah ouais, la portée du man. Ok, par contre, ça, plus c'est loin, moins ça fait mal, j'ai l'impression. La portée, elle est... Vous avez vu comme ils bondissent? C'est un truc de ouf. Il a failli me la mettre, stuff. Ok, on est bon. Faudrait que je récupère mes trucs avant de remourir. Pour ça, on va switch sur ça. On va passer par là, je pense, pour se faire lui, là. Par la lumière divine, moi aussi, j'ai des pouvoirs. Oula.
Oula. Attends, faut que je re-switch sur ça pour faire ça. Ah ouais, ok, c'est pas facile. Mais non, je m'en fous de ça. Ah non, c'est le bouclier, c'est L1, my bad. Mais attends, regarde, lui, il a un truc autour de lui. Ça veut dire que si je fais ça... Attends, quoi? Oh merde, non, j'ai fait une erreur là. Attends. Qu'est-ce que c'était? C'est R1? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça? Je me trompe, les gars? Mais si, c'était pas ça, l'espèce de... De trucs luminescentes là. Tu vois bien, il a des lucioles autour de lui. Ah non, c'est peut-être ça. Oh, je fais n'importe quoi. Catastrophe. Pas compris les lumières, j'ai oublié. J'ai oublié comment ça marche. Ah non, c'est que c'est le monstre qui m'avait tué. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est le monstre qui m'avait tué. Ok, d'accord, je capte. C'est pour ça qu'il était entouré de trucs. Je crois, hein. Il me semble, non? Les parasites, ok. Lui, il va être facile. Est-ce qu'il n'y a plus rien ici? Ça sert à rien. Ah, peut-être qu'il y a des trucs cachés en vrai. Non, il y a rien de caché. Ok, putain, entre la lanterne, les sorts et le reste, je vous jure que c'est complexe. Le bon, vraiment, j'arrive pas à évaluer la distance. Hein. C'est vraiment énorme. J'allais niquer lui là-bas là. Je suis désolé, je vais devoir toucher. Merci bien. Il y avait un autre mec qui me tirait dessus, je sais pas d'où. Mais il y en avait un autre qui me tirait dessus. Est-ce que quelqu'un sait d'où il était? Ah, on sait pas. Hein. Il y en a plusieurs. Allez, vas-y, viens. Ok. Viens là, mon loustique. Je vais essayer un peu de m'habituer à la roulade et pas que de reculer. Faut s'entraîner à tourner latéralement tout le temps dans les jeux comme ça. Attends, ici il y a un truc du coup, je suppose là. Non? Non, même pas? Putain, il doit y avoir tellement de passages secrets dans le jeu, frérot, à cause de ça. Oh! Mais là, je peux rentrer, il y a un mec devant, j'ai pas rêvé. Non, y'a rien. Y'a rien. Ah, si, regarde, y'a un mec là. C'est un nouveau type d'ennemi ou quoi ça? Ouais. Il faut faire ça la nuit. De quoi? Quoi parles-tu? Du jeu? Bon, déjà, il faut qu'on tape ça. Voilà, je savais. Vous voyez, je savais, je suis pas fou. Il est là-bas. En plus, je viens de le voir et je l'ai oublié. Je suis vraiment trop con. Oula, attends, il a un truc spécial, lui. C'est quoi, ça? Je fais quoi? Les gars? C'est quoi, ça? Faut faire quoi? Je comprends pas, là. Ah, ok, il avait une protection. Waouh, ok. Il avait le parasite, ok. Là, il avait le parasite, donc ok, d'accord, ok, j'ai compris. Donc en fait, ça met une protection bleue autour des noms, le parasite. Ok. Écoutez, on apprend, on progresse bien. On apprend. Est-ce qu'il n'y a pas un truc caché? Moi, les gars, le problème de cette lanterne, c'est qu'elle me rend full parano, tu vois. Là, ça se trouve, il y a un trou dans le sol, en bas, j'ai un coffre, tu vois. Regarde, là-bas, il y a une échelle. Mec, c'est terrible, ce truc. Ça te rend full parano, c'est abusé. Alors lui, je crois qu'il est vénère. Ouais, lui, à mon avis, c'est un vénère. Wesh. Il va me courir dessus. Ouais, j'ai senti. Lui, je vais pas mentir, on va pas prendre de risque. Ah oui, les mitraillettes. Ah oui, d'accord. Eh, regarde, devine quoi? Moi aussi, j'en ai une. Oh! Par la lumière sacrée et divine! Pardon. On arrête ce petit jeu, excuse-moi. Lui, il est extrêmement fort. What the fuck? Je suis mort. Heureusement, j'étais pas dans le monde des morts encore. Mais c'est beaucoup, ce perso. Alors, attends, comment on va pouvoir le niquer? Lui, on va jouer bouclier 100%. Vas-y, viens. Ça, c'est chiant.
Ah oh, bâtard, il l'a delay, je suis mort. Oh le bâtard. Oh, il l'a delay. Oh le bâtard. Aïe aïe aïe. Ok, lui il est fort. Ok, lui il est fort. Lui, la lumière, il s'en bat les couilles. Il éteint la lumière, il éteint même les plombs. Il va au compteur, il éteint les plombs, on n'a plus rien. Plus rien en stock. Ok, lui, ça c'est un ennemi fort. C'est le premier ennemi fort qu'on croise. Le blème, c'est que toutes les petites merdes d'avant m'affaiblissent. J'avoue, j'ai envie de speedrun là. Ça me pète les couilles de refaire cette séquence alors qu'ils sont nuls de fou. On va speedrun un peu. On va pas se mentir. Toi, t'es le plus chiant. Non. Comme je l'ai pas ciblé, je me suis fait baiser. Oh, j'ai trop la haine. Oh, j'ai trop la haine, frère. Oh, je vais péter les plombs. Oh, j'ai trop la haine. Mais pourquoi? Ah, c'est, je me suis trompé de touche. Allez, la run, elle est foutue. Celle-là, elle est foutue, je vous le dis. Il est pas mort. J'ai eu de la chatte de malade. Oh, voilà, c'est sûr que ça allait finir comme ça. Je le sentais. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pris les 200 pêches. Cette run est une catastrophe. Là, c'est la run du 13. Vas-y, on va pas faire d'effort. On va y aller comme des bourrins. Je vais juste essayer de récupérer la thune qu'on avait avant. Alors, je pense qu'à mon avis, je suis pas censé aller à la droite qu'on teste le gars. Hein. Je vous le dis direct, il est très très fort. Ça m'étonnerait. Tout ça à cause du fait que j'étais trop proche du mur, les gars, et que je l'ai pas focus. Vous vous rendez compte? On a plus de heal, hein. Je vous le dis, c'est mort. On va quand même faire un petit effort. S'il me le met là maintenant, là, c'est hilarant, je vous le dis. Il m'attend très très proche, j'ai très peur. Il a failli me le mettre, ce chien. Je suis mort. Alors, est-ce que du coup, c'est l'ennemi qui porte le truc que j'avais? Ou pas? Non, ouais, leur bon, les gars, il me surprendra toujours. Ok. C'est l'ennemi ou c'est par terre quelque part? En fait, le truc c'est que l'autre il a toute ma thune quoi. Mais en même temps il va m'arracher hein. Je vous dis, je pourrais l'affronter 20 fois et je pense qu'il me bat 20 fois. Il est beaucoup trop chaud. Non, mais non, pourquoi je passe là-dedans? Je m'en bats les couilles, c'est pas ce que je voulais faire. Du coup, si je meurs, j'ai pas de deuxième vie. Putain de merde, quel con. Je crois que je sais comment le niquer l'autre. J'ai trouvé. Il y a un truc qu'on n'a pas fait pour le niquer et qu'on va faire maintenant. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Oh con, il est là-bas! Bon bah c'est mort. Bah oui, c'est... Pourquoi ça l'a retiré là-bas, frère? Oh non... Bon, c'est mort. Ah, faut que je prenne ça. Là, on est dans la merde. Là, je vous le dis, on est dans la merde. Dans la vraie merde, hein. Pas la petite. Hein. J'ai pas ces movesets. Ah oui, toujours plus, vas-y, tu veux jouer à ça? Allez mon frérot. On va jouer autour de l'arbre, c'est bien. Oh merde. Je pense qu'on va jouer autour de l'arbre. La vie de ma mère, c'est la méta. La vie de ma mère, c'est la méta. Frérot, c'est pas le 14 juillet, je te le dis tout de suite, tu arrêtes. Ok, j'ai plus. C'est pas grave.
Yes, I. Bon, on a full use magie. En vrai, pourquoi ils ont... En vrai, la magie, ça reste cheaté, les gars, à mes yeux, là. Bon, après, en même temps, on tank vraiment rien. On est un magicien, donc le truc du... On a récupéré nos HP, on est trop bien, là. En vrai, on tank vraiment rien, puisqu'on est magicien. Donc, en vrai, c'est normal qu'on fasse mal comme ça à distance. Genre, je veux dire, le mec, au corps à corps, quand je le pars, je perds toute ma vie, etc. Alors que je pense que si je joue un gros chevalier, je pourrais beaucoup plus faire des parades, tu vois. En plus, on est dans le monde des vivants, c'est-à-dire que si on meurt, on respawn dans le monde des morts. On est bien là, hein. Honnêtement, hein. En plus, il n'y a pas trop de trucs cachés, regardez. Ah là, il y a ça. Ok. Oh. Il n'y a pas un truc par terre, j'ai rêvé. Ah non, c'était un reflet. Non, tu vois, il n'y a pas trop de trucs cachés. Je suis pas du père, les gars. Parade, c'est pété. Ouais, mais parade, faut être fort. Franchement, le timing pour l'avoir, faut être chaud, quoi. Je trouve pas ça simple. Il n'y a pas un truc caché, là. On était là, juste là, en bas. Oh merde, j'ai pas vu. Je l'ai pas touché. Je suis dégoûté. C'est pas grave, on respawn, c'est pas grave. Oh, je suis dégoûté. J'ai pas touché l'autre, du coup je l'ai pas cancel. C'est my bad. Pas très grave. On va jouer en parade un peu pour assurer. Voilà, tu vois. Et en plus, si on le touche, on récupère les points de vie que... En fait, ouais, en fait, la parade, je crois que c'est vraiment... le contre, pardon. Enfin, pas la parade parfaite, mais juste le contre, c'est abusé. Personne. Là, je pense qu'on peut passer 100%. Yes, je suis très très fort, vous avez vu. Le fait est que plus on passe du temps dans ce monde-là, plus on se fait baiser. C'est ça, hein, qu'ils ont dit. Hein. Donc, faut vite retrouver un truc pour revenir à la vie. Si je dis pas de conneries. Hein. Oh non, pas ça. Oh non, pas ça. Où est-ce que je suis, là? Oh non, putain. Désolé, monsieur. Je baise. Nouveau type d'ennemi. Nouveau type d'ennemi. On l'avait pas vu, celui-là. Je l'ai pas vu là-bas. Chier de fou. Je vais me le prendre. C'est un ennemi, ça? Ah non, c'est un arbre. Ok. Ok. Alors, on va se reposer. Le truc, c'est que ça va nous rendre nos potions, mais ça va faire réapparaître tous les monstres qu'on vient de battre. Vous savez, c'est ça le bail. Donc, voilà. Va falloir être... En tout cas, ça fait du bien de revenir dans le monde des vivants, de réavoir ses potions. Je pense aussi qu'on va pouvoir s'ajouter... Améliorer le perso, on va pouvoir s'ajouter un ou deux points de quelque chose. Ouais, ça, on a deux points. Je pense qu'on va se mettre un en vitalité. Très honnêtement. Ça nous fait gagner. On va se mettre deux en vitalité, ça nous ferait gagner. Ouais, mais de toute façon, en tous les cas, je suis squishy, je vais me faire baiser à chaque fois. Moi, je pense que j'aurais remis encore de la radiance, les gars. Je crois que je l'aurais joué vraiment radiance max. Allez, radiance max. Radiance max pour le moment. Je fais plus mal, et avec mes sorts, et avec mon arme, et j'ai plus de mana. Genre, honnêtement, la radiance max, elle est superbe. Je vous le dis, c'est... si je tombe là, je suis mort. Oui, de toute évidence. Je la joue Radiance Max, genre vraiment, je veux vraiment énormément de... La porte bouge pas, ok, il y a un mécanisme à activer. Alors, l'ennemi qui était juste là, à mon avis, lui, il casse bien les couilles. Bon, évidemment, jamais faut tuer lui en premier, hein, mais... Voilà, le problème, c'est que lui... Oh ouais, il fait peur. Hein. Ils delayent tous leur putain d'attaque, frère, c'est terrible. Ils font ça, ils mettent une pause et ensuite ils tapent. Ça, c'est très très fourbe dans les jeux comme ça, ce genre de move. C'est Olaf, ouais, c'est vrai qu'on vient de taper Olaf, hein, clairement. Alors, anneau, ah, on a un anneau. Attendez. On a un anneau. Il est là. Un vieil anneau terni augmente l'endurance maximum et la vitesse de regain d'endurance. Bah, tout de suite, frère. Attends, il y a des bruits là. Bah, faut que je le porte ou pas? Oui, là, regarde, anneau. Ok. On a plus d'endurance et on regagne de l'endurance plus vite. Ah ouais, ok, la barre, elle est un peu augmentée. En effet, franchement, on prend. Honnêtement, on prend. Ouais, là-bas, il y a la lanterne. Le but, c'est d'activer le mécanisme de la porte là-bas. Je suis sûr que j'ai raté plein de choses. Là, si je saute, c'est mort. Faudrait faire tomber ce truc. Est-ce que là, il n'y a pas un truc à voir avec ça? Non. Y a pas de corps, y a rien à faire monter. Je pense qu'il faut descendre. Ouais. Je pense qu'il faut descendre. Ouais, à mon avis, ça va se jouer en bas.
Ça y est, je suis dedans, hein, je comprends rien au jeu. Ah ouais ? Bah c'est pas très dur, honnêtement. C'est un action RPG comme les Souls, comme tout ça. Ah voilà, regardez ici, il y a des choses là. Bah, je pense carrément qu'il faut passer dans le monde des morts en fait là. Ouais, c'est sûr, faut passer dans le monde des morts. Putain, c'est bien ça. Finalement, ça y est, je commence à comprendre. Le premier boss n'était pas prêt, mais les gars, on va l'exterminer. C'est pour ça, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au premier boss là. Pour ça, j'essaie un peu de speedrun, mais je suis nul, hélas. Sacoche de munitions, grande frappe de trucs, ok. Attends, ça, des fois, ça fait apparaître des ennemis. Ça vient pas de faire apparaître un ennemi. Oh. Ah ouais, voilà. Mais là, ça a pas fait apparaître. Beaucoup trop de gens là. Il a tout donné, mon perso. C'était magnifique à voir. Ah, une bonne zone de farm ça, en vrai. Si je vais save, je reviens, je vais save, je reviens, je vais save, je reviens. Regardez, 1300 trucs, c'est une bonne zone de farm, je pense. Oui, je suis déjà dans le pur tryhard, hein, je vous le dis direct. Premier boss, j'ai mis 3 heures MDR, mais non. Sérieux, il est dur à ce point? Faut absolument qu'on arrive au premier boss. Ah, oh, je vois pas. Ah non, c'est bon. Après, avec ça, déjà le premier boss, ça sera plus simple, tu vois. Après, c'est long à lancer. Cagoule de pèlerin, bandage de pèlerin. Hein? Qu'est-ce que ça nous fait? C'est le même, c'est un peu plus léger et ça protège un peu moins. M'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Ça, ça sert à rien de le prendre, j'ai déjà la boule. C'est tout ce qu'il y avait dans cette zone? En fait, c'est une zone cachée juste pour un... C'est les items de pèlerin? Enfin, je dis ça, mais des fois, on tombera sur les items de fou, j'imagine. Ah, ça, je connais ça. Ouais, c'est bon. Ah, il y a une échelle. Il y a une échelle, il y a une échelle. On n'avait pas vu l'échelle. Locke est mort 10 fois. Sur le premier boss? Ah, vas-y, j'ai trop hâte d'arriver au premier boss, j'aimerais qu'on se le fasse. Oh, 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 j'étais pas prêt, excusez-moi. Ça m'a fait très peur. Tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es ridicule, on s'ennuie. Aïe, aïe, il peut rétorquer. J'avais pas. Il est mort? Il est pas mort? C'est une folie qui... Mais... Ah, mais lave-la la vie. Meurs, frérot. Non, toi, non, toi, toi, on veut pas te voir. Je fais un peu plus peur, vous avez vu, je fais 150 au lieu de ce que je faisais tout à l'heure. Vas-y, on émerge du monde des morts avec plaisir. Wow, ça, faut le faire tomber. Comme ça, si jamais on respawn là-bas, on aura le shortcut pour revenir. J'aime, j'aime. Là, je suis à fond dedans, hein, je vous dis la vérité. Hein. Oula, attends, attends, attends. Regarde, vous avez vu cette cloche? Con, là. Cache des ennemis et tout, putain, les bâtards. Ah, c'est une habitude dans les jeux de ce genre, c'est une habitude. Toujours marcher avec un bouclier au cas où tu te prends une flèche, un truc en une seconde. C'est beau, hein, regardez. Puis le jeu est bien opti, hein. Là, je suis en 140 perma malgré le live. Ok, je peux grimper ici. Je peux aussi descendre. Est-ce qu'il n'y a pas un... Non, bah non, c'est de là dont on vient, machin. Non, c'est sûr que c'est là qu'il faut aller. Premier boss bientôt. Allez. Il y a peut-être un monstre à droite, tu vois, typique, non. Qu'est-ce qu'on a eu? Contre-sacré, pas la moindre idée de ce que c'est, je vous avoue. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. On va pouvoir remonter. Allez, go. Ah, un frérot blessé. Mais c'est le mec de tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah mais c'est lui qui est arrivé et qui m'a sauvé du grand boss en fait. À force de voir cette lampe, vous verrez l'histoire se répéter encore et encore. Si vous voulez pas continuer à replanter le même sol après votre mort, utilisez ceci. Graine vestigiale. Alors, votre lampe, lui, aurait aimé une couleur spéciale à proximité d'un parterre de fleurs de l'umbral. Sur un parterre de fleurs, on peut planter une graine. Le germe, il sert de point de résurrection si d'aventure vous mourrez dans l'umbral. Ah, donc quand je réapparais dans le monde des vivants, je réapparaîtrai sur cette graine. Ok. D'accord. Donc là, si je meurs, je réapparais là. Non, si je meurs dans l'autre monde, je réapparais là. C'est ça, je crois. Bon, là, ça pue le boss. Hein. Ça sent le boss à plein nez, cette histoire. Il me faut la clé du repos astral, ok. Il y a une porte qu'on n'a pas réussi à fermer, à ouvrir de l'autre côté aussi. Hein. Souvenez-vous, quand on venait de trouver le checkpoint. Non, s'il y avait un boss, il y aurait un feu de camp beaucoup plus proche, en vrai. Je dis n'importe quoi. Qu'on doit faire là. Quoi? Hein? C'est juste pour revenir là? Là y a rien?
Y'a rien du tout là, non, tu te fous de ma gueule. T'as pas interagi avec la graine. Mais faut pas, je crois, que j'interagisse. Ah si, faut que j'interagisse. Ah. Je fais quoi, je me repose? Je peux toujours pas améliorer, il me manque quelques âmes. Faut que je me repose ou pas? Ou ça va la faire disparaître? Le repos dans la vie, c'est crucial. Non, mais ça, on sait, mais... Bon, vas-y, je me repose, on va voir. Je voulais juste voir si ça va la faire disparaître, si c'est genre un one-shot ou pas. Non, ok, j'ai bien fait. Ah, l'échelle, elle est... Attends, mais... Je viens d'où? Je viens de là-bas. Je viens d'où, les gars? Je suis fou. On n'a pas fait ça. Non, ça, on n'a pas fait ça. Comment ça pue le boss, là, de prendre la hauteur, avoir des trucs en ruine. Là, il y a des boss pas loin, je vous le dis direct. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ah, peut-être là-bas, il y a des choses à... Ouais, voilà. Hein? It's fight? Wesh. C'est quoi, ça? Oh, j'ai eu trop peur du truc qui est venu sur moi. Oh non, pas lui. Je vais mourir, faut que je me casse. Faut que je prenne un truc, ça, je vais mourir. Il va faire ses tirs. Aïe, j'avais anticipé en plus. Ok, tu veux jouer au tir, on va jouer au tir, mon frérot. T'es mort. Ok, j'ai grid un peu, mais c'est pas grave. Il respawn là à chaque fois, lui? Ce fou là. Il fait gagner que dalle d'âme. Il est fort et il fait gagner que dalle d'âme. Il y a un item? Non, même pas. Ah si, là il y a un item. Non, même pas, c'est juste des âmes. Comment c'est faible ce que j'ai eu en âme? On s'est fait baiser là. Ah, il y a un item. Il y a un item. Non, ça va, on s'est pas fait baiser. Poche de munitions, petite grappe de machin. Ok, on prend. Ça, je pense, je peux pas. C'est quand j'aurai fait tout le tour. Ce sera un shortcut. Eh, je kiffe bien, hein. Je suis dedans, hein. Je peux y aller ou je vais brûler? Ah, un peu de... Oh, merde. Croyez-moi, j'ai une alerte Windows qui vient d'apparaître au moment où je marche sur des braises. Ça vous va ou pas? Ah ouais, quand tu brûles... Tu brûles. J'ai une alerte Windows qui est apparue pile à ce moment-là, genre... Du coup, je pouvais plus bouger. Roulade, bah non, le vent, frérot, ça va stimuler le feu. Je pense que de toute façon, il n'y a rien là-bas. Peut-être monde des morts? Peut-être un truc? Non, que dalle, c'est la même chose. Attends, quoi que... Si, si, c'est pareil. Là-bas, c'est un boss, hein. Là, les grandes étendues, comme ça, c'est un boss. On est mid-life, on a qu'une potion. Ce sera pas un first try, hein, je vous le dis tout de suite. C'est boss, c'est maintenant. C'est boss, c'est maintenant. Bonne chance, merci. Oh, merci. Holy Aureus. By your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days. To lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters. So we may walk it together. And to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience. Elle fait très peur, elle va me défoncer. Mais par contre, je veux son épée et son casque et tout ce qu'elle a sur elle. Here before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh. And one I cannot. Je veux l'épée. Je veux l'épée. Je le veux. Bon, alors, première étape, analyser les moves. On y va, c'est maintenant. Hop là, d'un coup, la surprend. Hop là, hop là, hop là, attention, on dirait bien que c'est le 14 juillet dans cette arène. Pas ouf. Non, non, si je cours, tu cours pas. Quand je cours, tu cours pas. Ah,
Ah ouais, en fait, ok, sa lame, elle s'allonge, c'est ça qui est piégeux. Ça, je pense que tu te le prends, ça te met un bon petit one shot hein, dans la gueule. Hein. Ok. Ok. Donc il y a ce double truc, il y a l'autre truc. Elle fait toujours deux coups de toute façon. Là, c'est le grand, deuxième. Ah, troisième. Des fois, il y en a trois, ok. Et il y a un énorme temps pour elle à taper. Je pense qu'il faut plus esquiver latéralement. Une, deux. Ah, la troisième, elle est. Quatre. Ok, donc des fois il y en a 4, ok. Vas-y, vas-y, de toute façon on va pas la faire strain, hein, je vous le dis, on a qu'une popo. Pas mal, j'aime beaucoup. Oh, je reconnais ça, c'est Piccolo. Magnifique. Ok. Ah mais oui, putain, j'ai une autre vie. Ah, j'ai fait trop tôt. Son laser fusion 3000 qui est dur ça là. Pas tant que ça en fait. Allez viens, vas-y tape. Oh non, j'étais en roulade. Ok. Sa phase 1 n'est pas dingue, je vous dis la vérité. Hein. Sa phase 1 n'est pas ouf. Je pense qu'on peut la déchirer. Mais faut que je m'habitue au... pas obligé de roulade pour pas être touché, tu peux juste appuyer une seule fois sur rond. Ah. Je pense que la P2 va être 300 fois plus dure que ça. Je vous dis la vérité. Hein. Mais c'est quoi la diff entre quand je fais double roulade ou juste roulade? Ça fait une roulade anyway. Ok. Bon, on a nos potions. Vas-y, on peut y aller. La 2, t'inquiète. Ah, je pense que la 2, elle va être extrêmement balèze. Pas parfaite, ça enlève beaucoup de... Ouais, mais franchement... En fait, ce qui me stresse dans le jeu, là, et ce à quoi j'ai du mal à m'habituer, c'est que les ennemis, quand ils te font une parade, quand ils font un coup... C'est quoi, ça? Jamais de la vie. Quand ils font un coup, il y a... Ils font le truc, ils attendent, et là, ils tapent, tu vois. C'est pas smooth, entre guillemets, tu vois. C'est dur. Ce qui rend le jeu très dur, je trouve. Non, pas d'elle, les gars, on le fait tout seul. Je trouve que ça rend le jeu extrêmement dur, ce qui est génial. Ah mais il y a une anime frère quand tu reprends les trucs. Aïe 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 aïe. Oh waouh, ok. Il y a une anime quand tu reprends les trucs, ça c'est la maxi base. Oh, comment j'esquive pas ça frérot, c'est une folie. Là elle en fait que deux, c'est bizarre, pourquoi elle en fait que deux? Là, il va en faire 3 quand je suis pas prêt. Non, re-2. En fait, j'ai le temps de lui mettre un petit coup, là, en vrai. Pas si mal, hein, pour le moment. Ah, mais attends, je peux faire ça ou pas? Ça marche pas. Ça m'a défocus en plus, ça marche pas sur les boss, ok. Je pourrais le faire en magie, mais je sais pas, j'ai envie de tester comme ça. Ça explose ou pas? Non, ça explose pas, j'aurais pu la taper. Oh, il y a cette range là. Putain, je vais crever. Ok.
Ok, donc j'esquive toujours ça trop tôt. Je vais revivre. J'esquive toujours ça trop tôt. Ah, P2. P2. Pourquoi ça lui fait pas de dégâts? Ok, P2. Alors là, ça va être de la folie furieuse. Très stylé. Très, très, très stylé. Oh, waouh! Ok, Kayle. Excuse-nous, Kayle. J'ai envie de jouer au bouclier, du coup, là. Ok! Ah, merde, y'a pas d'autre move. Putain, fais chier. Aïe, aïe. Y'en a un troisième! Quoi ça? Mais j'aurais pu... Oh non, ça c'est son coup de merde, ça. Ça c'est vraiment de la merde. Ce coup là qu'elle vient de faire, c'est le pire. Bon, on va mourir, hein, je vous le dis, spoiler. Dommage. Ok, 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 ça y est, les gars, je commence à comprendre le jeu, je commence à le prendre en main. Je commence à le prendre en main. Je commence à le prendre en main. Et vous avez raison, j'ai juste besoin de faire une fois le rond, pas deux fois. En fait, c'est bon, là je vais vous choquer, je vais le faire en mode, je vais la full coller. Et je vais faire des ronds une seule fois, pas deux fois en fait. Tu fais les parades, ouais, mais les parades, en fait je trouve, il va me falloir du temps à m'habituer au move dans ce jeu. Parce que je t'ai dit, ils font ça, ils lèvent, et là ils attendent, et d'un coup ils tapent, et là ils attendent, ils font ça, et après hop, d'un coup ils tapent. Tu sais, il est dur le jeu, genre. Il est très très dur, ce que j'adore. Vas-y, je vais jouer full esquive, collé à elle. C'est quoi ça? On va jouer full esquive, bien collé à elle, là. Et je pense à glisser tout seul, les frérots. Et la phase 2, si on veut la win, on fait de la magie et c'est terminé. Je pense. Tu peux pré-shot le coup, genre, regarde, on va jouer collé, regarde. Je suis vraiment une merde. Ah merde, trop tôt. Merde, j'en ai utilisé deux, c'est pas grave. My bad. Il y en a un troisième. Elle est morte, hein, je vous le dis. Elle pue la merde, je vais l'exterminer. Je vous le dis, je vais l'exterminer. Mais vraiment, je suis très sérieux. Pourquoi elle est pas morte là? Faut que je me casse, je vais prendre des dégâts. Ah les gars, je suis très sérieux, hein, je vais l'exterminer. Hein. Ah oui, ma thune. Aïe. Laisse-moi prendre ma thune. Oh non. Ouh! La chatte. Ah putain, elle l'a timé. Pas mal, bien joué. Je connais pas ses moves en phase 2, là, je m'habitue. Ok. Ça fait mal. On va faire son truc de fou là. Ah non, c'est les doubles lasers. Je vais mourir. On va pas la passer, hein, je vous le dis. Je suis encore en train d'apprendre ses moves. C'est quoi ça? Wow. Quoi ça? Ah oui, c'est les trucs qui partent vers moi là. Ah, c'est chiant ça. Je suis mort.
Ah non. Ah, c'est quoi ça? Ouais, elle est chiante là. En fait, faut la coller là, dans cette phase. Ça a pété, je vais mourir. Oh, j'ai eu de la chatte. On va presque la voir. Hein. Ah, je pense que je vais faire une erreur quand même. Je suis désolé. Ah, je sais comment on peut la voir. Attendez. Oh non, j'étais focus sur elle et pas sur lui. Ok, ok, ok. Les gars, c'est bon, j'ai compris. Tu dois plus parer. Ah ouais, mais si je joue à deux mains, je peux pas parer, si? Je peux parer à deux mains? Stop double rond, ça sert à rien vraiment. Ouais, j'ai capté que ça servait à rien. Je peux parer en faisant ça? Ça part, ça? Faut l'esquive, faut que la joue. Ouais, non, mais elle est pas dure. Hein. Très honnêtement, elle est pas dure. Elle est pas dure. Magie en face de WAM, j'aimerais bien la faire sans magie, parce qu'avec magie, je pense trop facile, mec. En gros, on peut lui retirer un quart de sa vie avec la magie. Bah là, c'est ce qui lui manquait, tu vois. Si on passait en mode full magie, on l'a déglingué, c'était pas très drôle. Ça, j'étais déjà meilleur que Locke, excusez-moi. Mais évidemment, frère, je suis 100 fois meilleur que lui sur les jeux comme ça. C'est un secret pour personne. Attends, je vais essayer de parade. Je teste un peu. Hein, mais attends, elle est à zéro. Ça passe rien. Sa barre, elle est à zéro, les refs. Ça passe rien. Une folie, ça. Ah bah voilà, frère, quand même. Ah, ok, en fait, quand elle est à zéro, faut que je la repare une dernière fois. D'accord, ok, j'ai compris, my bad. Ok. Quand sa barre, elle est à zéro, il faut que je repare une fois. Ok, on a perdu de la vie, ça va. Ok. Par contre, avec les parades, les gars, c'est très très simple. Attends, les gars, avec les parades, c'est très très simple. C'est très 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 simple. Quatrième try fail. Oh, celui-là, est-ce qu'il compte? Squish, je suis sur TikTok, je te mets sur un extrait où tu parles de Mr. Beast. Putain, c'est fou, les gars, le live, il est même pas fini, il y a déjà des extraits de ça, putain. Ah non, et alors, ils ont laissé la full séquence ou pas? Putain, fait chier, ça va encore m'attirer des ennuis, ça. On se dit que le quatrième, il comptait pas, les gars. Please, je testais une mécanique que j'avais pas testée avant. Please. Allez, on y va. Amusons-nous. Ok, bien joué. J'admets. Je suis pas bon. Je suis pas dedans, les gars. Désolé, ça compte comme un vrai try. Je suis pas dedans du tout, c'est abusé. C'est scandaleux ce que je viens de faire. Ça fait mal, hein, la parade. Hein. Oh non, j'ai oublié ça. Bon, vas-y, peut-être. Y a moyen que ça passe là. Je vous le dis, y a moyen que ça passe. Ce sera... Ah, ok, elle ralentit ses coups. Ce sera pas cette fois, désolé, chat. Elle ralentit ses coups, j'avais pas fait gaffe. Je vais mourir. Tu me fais chier avec ta magie de merde. Adieu. J'ai trop perdu sur la phase 1. Je suis désolé, j'ai trop perdu sur la phase 1. Je suis trop nul. J'ai beaucoup trop perdu sur la phase 1. J'ai perdu trop de vie. En fait, la phase 1, normalement, je dois... En fait, la deuxième... J'ai compris. Première phase, les coups, ils sont plus rapides. Deuxième phase, elle les retient plus. Donc, du coup, si tu comprends pas ça, quand tu sors de la phase 2 et que tu reviens dans la phase 1 après être mort, tu te fais laver le cul exactement comme ce qui vient de m'arriver. Maintenant, je le sais.
Maintenant je le sais. Allez, c'est la win. Full esquive, c'est le mieux. Non, moi je préfère les parades, je crois. En fait, ils sont pas durs, les parades, en vrai. Dommage, t'as la pire classe ever. Ah ouais? Bah, je te prouverai le contraire. Vous kiffez ou pas ce qui se passe? Voilà, c'est comme ça qu'on la déglingue. Ah merde, j'en ai raté un. Non, il y en avait trois. Non, il y en avait trois. Non, 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 non. La honte. Putain. J'ai appuyé. C'est une dinguerie, j'ai appuyé. Ça, en fait, quand tu t'approches d'elle, c'est le plus fort. Ok, elle va faire ça. Là, elle passe, je crois, dans la phase, non? Ouais, voilà. Elle passe dedans. Je peux pas aller gratter quelques points de dégâts là quand elle fait ça? Et là c'est plus lent. Putain, je me refais avoir comme un bleu, je suis mort. Non, pas encore. Je pense que ce sera pas la bonne, les gars. J'avais pas de rigueur, ça va me tuer. Non, c'est bon. Faut que je me barre. Ah, ça a pas explosé? Ça explose pas? Ok. Ça fait pas de dégâts en vrai, c'est pas ouf. C'est pas ouf les dégâts, frère. On a bien baisé là. Allez, viens. Ah ok, ça en fait elle... Oh non, ça c'est tellement long, j'aurais pu mettre 18 coups là. Dégoûté. Qu'est-ce qu'elle va faire, un rayon? Ah, ça c'est ça, je déteste les gars, je vous le dis. Aïe aïe aïe, ça m'a touché de plein fouet. Oh, je suis mort. Oh, oh la méga chatte. Vous l'avez kiffé ce petit contre, hein? J'aurais dû esquiver, j'ai grid à contrer, my bad les gars, my bad. Non, je suis nul. Oh, je vaux mieux que ça, putain, je vaux mieux que ça. Oh, je vaux mieux que ça. Oh, je vaux mieux que ça. Oh, je suis gaze. La magie, ouais, mais j'ai pas envie. Honnêtement les gars, je trouve ça trop simple. Je vous dis la vérité, la magie là pour le coup, c'est vraiment cheaté. Genre honnêtement, je lui retire un quart ou un tiers de sa vie avec la magie. J'aime bien le faire en full parade, genre comme un bonhomme. Puis en plus, ça m'entraîne pour le reste du jeu. En plus, les fenêtres, elles sont assez longues hein, de parade, en réalité. Les fenêtres sont assez longues. Hein. Par contre, j'ai des pertes de FPS. Surtout quand j'arrive dans le combat. Allez, les gars, on le fait. Je suis désolé, je suis désolé. En fait, c'est la phase 1, je perds trop de vie en phase 1, c'est idiot. Phase 1, ce que je propose, c'est de la merde. Je fais trop peu de dégâts avec cette attaque basique. Ouais, ça, c'est sûr. Allez, vas-y, attaque. Encore une, vas-y. Ah voilà, là j'ai fait un 462, merci. Aïe. Oh non, pas comme ça, pitié. Bah, mec, j'ai bien appuyé, je comprends pas. Quoi? Je comprends pas là. On se barre. On va gagner, on va gagner. C'est la run, hein. Je vous le dis, c'est la run. Toujours sans magie. Allez, fais ton truc, fais ton cinéma. J'avais oublié qu'elle arrive aussi vite, frérot. Ah, je suis pas dedans! Mais pourquoi ça contre pas? Pourquoi ça contre pas?
Pourquoi tu prends une classe de mage pour faire du corps à corps? Ouais, mais pourquoi ça contre pas? J'ai pas compris, les gars. Tu fais exprès là. Non, les gars, j'ai pas compris. Arrête de vouloir prouver. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je veux prouver. Mais j'ai pas compris pourquoi ça compterait pas. J'aurais dû faire un énorme chevalier, frérot. Ça a l'air fumax de malade. Du coup, si tu rates ta parade, tu prends beaucoup moins de points de dégâts parce que t'es tank de fou. Trop fort pour que tu contres. Non, 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 je crois pas. Hein. Non, 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 je crois pas, hein, frérot. Ah, mon endurance! Ah! Ça use l'endurance? Je regarde pas la barre. Attends, je vais regarder. Ça use l'endurance. Voilà pourquoi je perds depuis tout à l'heure, frérot. Merci. Là, tu vois, par exemple, je peux plus contrer. Faut juste que je m'éloigne. Voilà, et là, je peux recontrer. Là, je peux revenir. Ah, ça, c'est juste moi qui suis nul. Pourquoi j'ai pris des dégâts du deuxième? Allez. Je suis trop nul, c'est abusé. Non, franchement, là, comment, ce que j'ai fait, c'est abusé. Je prends rien. Non, pas ça, encore un corps! Oh, la pire run de notre vie, les gars. Putain. J'ai plus de potions, c'est fini, là. Ok, en fait, ça utilise l'endurance. C'est pour ça que des fois, j'ai l'impression d'être sur le bon timing et que je me fais baiser. Ouais, ça, je peux pas. Quand il fait ce saut-là, c'est mort. Ah, je vais mourir. Go, recommencer. Ok, 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 ok. My bad, my bad, my bad. My bad. Non, les gars, je vais vraiment maîtriser les parades parce que je sais que dans le jeu, c'est trop cheaté. Je le sens, j'ai un feeling. Les coups lourds, ça fait plus de dégâts, ouais. Après, en vrai, est-ce que c'est worse les parades pour les dégâts? Moi, je pensais que tu lui mettais des dégâts de malade, tu vois, une fois que tu faisais une parade, une fois que tu sais, sa barre, elle arrive à zéro. Pas si dingue, hein. Tu mets l'équivalent d'un triple coup classique, c'est pas si dingue, honnêtement. Un peu décevant, un peu décevant. Je trouve que ce que tu lui mets en dégâts... Après, des fois, je lui mets 340, des fois, je lui mets 500. 500, c'est intéressant, 340, tu te fais baiser. Hein. C'est de l'arnaque. Allez. Mais c'est pas possible, pourquoi? Je comprends pas. Frérot, la vie de ma mère que là, je suis dessus. La vie de ma mère que là, je suis dessus. Là, ça a aucun sens que je sois mort parce que mon jeu, il lag. La vie de ma mère, les gars, là vraiment, j'ai appuyé pile au moment de tout à l'heure. C'est trop bizarre, frère. Je comprends pas. Je comprends pas. Les gars, j'ai paré en perdant de la vie, là. J'ai paré, il y a eu le truc bleu, et pourtant j'ai perdu de la vie. Quelqu'un saurait m'expliquer? Bon, vas-y, allez, full esquive. Vas-y, je vais full esquive. Ça m'a saoulé, les parades. Je vais full esquive. Désolé, désolé. J'ai testé, excusez-moi, je full esquive. Je full esquive. Ça m'a cassé les couilles. Full esquive. J'arrête de parer, ça pue la merde. Je full esquive. Je suis énervé de fou, je vous le dis. Je suis énervé de fou. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas, en fait. Ce que je me suis pris, là, je comprends pas. Là, ce round-là, là, il me fait mal au moral. Je comprends pas. Frérot, j'appuyais pile au bon moment. Pourquoi je me prenais des dégâts alors qu'il y avait le truc bleu? Je comprends pas. La magie, c'est le but de ton perso. T'as aucune stat. Bon, allez, on va juste esquiver. Allez, viens. My bad. Oh, je l'ai fait un peu tôt. Ça, c'est horrible au corps à corps. Ça se passe beaucoup mieux, hein, quand on fait ça. Hein. Ça se passe beaucoup mieux, hein. Y a pas à dire, c'est beaucoup mieux.
Ça, ça va exploser, non? Putain, à chaque fois, j'ai l'impression que ce truc-là, il va exploser. Non, pas ça. Ah, y'avait pas ça. C'est bon. Oh, je suis allé dedans! Avec une fausse manip, my bad, les gars. Allez, tape-moi encore à corps, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Je la touche pas, attends, je suis trop petit! Elle allait faire une folie là, d'accord, j'ai bien fait de me barrer. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc où elle se divise. Je me demande si je peux pas aller la taper en vrai quand elle fait ça. Putain, ça je pouvais la taper. J'ai l'impression que le truc va re-exploser derrière. Magnifique, hein. Le gameplay que je propose, c'est clairement mieux que tout au streamer préféré. C'est extraordinaire ce que je propose. Aïe, sauf là. Frérot, je la touche pas, ça rend fou. Je peux pas vous dire mieux, je... Regarde, regarde! Mon premier coup, il touche pas! Là, je pourrais lui mettre... En fait, quand elle fait ça, je devrais lui mettre des dégâts magiques de fou dans la tête. Je le fais pas. Ça, là, je sais que ça explose pas. C'est pas grave, on a le... On respawn en zombie, les gars, tout va bien. Bon, easy peasy les gars, si on avait joué full esquive dès le début, on aurait été bien. Ok, c'est dur, en fait la parade c'est très très dur. La parade c'est très très dur et je trouve que c'est pas récompensé de zinzin. La parade c'est très 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 dur et ce n'est pas assez récompensé je trouve. Oula. Je l'utilise mal aussi. Peut-être que j'ai pas tout cerné, vous avez raison. J'ai peut-être pas tout cerné. Qu'est-ce que c'est que ça? Une arme légendaire pour moi? Qui va me faire gagner des FPS? Des DPS et des FPS aussi, j'espère. Tu joues mage aussi, tu prends trop de dégâts quand tu pars. Ouais, je pense que si j'avais fait un chevalier, les gars, j'aurais été extraordinaire. Putain, j'ai hésité en plus. Deuxième phase? Non, impossible. Impossible. Je pense qu'on va la recroiser plus tard. Je pense qu'elle va se barrer, elle va dire... Ah. Ciao amigo. Voilà. Allez, on a eu plein de trucs, des résidus de l'ombral, on a eu une graine vestigiale, je sais pas quoi. Ah, c'est là, c'est pour la planter ici, je reconnais ça. Oh, boum, on la plante, let's go. Bam, on va pouvoir se poser, on a 6000 âmes, on a perdu 2000 âmes au total dans l'histoire, bon, fait chier. Là-bas, ils continuent de se battre, là. On va pouvoir s'améliorer. C'est vrai que je suis un peu con de jouer magicien et de pas utiliser la magie, mais bon, en même temps, j'aurais dû faire un gros chevalier, mais je sais pas, c'était trop le truc classique. Est-ce que je remets encore de la radiance? Si on continue à ce rythme, les gars, c'est une folie, hein. Notre perso, ça va être genre... Vraiment, notre perso, c'est plus qu'un rayon de lumière. Il n'y a plus rien, il n'y aura même plus d'armure, c'est juste genre un rayon de lumière. Non, je pense que cette fois, pour le coup, on va mettre de la vitalité. Ouais, on va mettre de la vitalité, sinon on va s'en mordre les doigts. Et on va se reposer, évidemment. Sous-like égale chevalier, épée, bouclier, point. Oh non! J'aime bien la magie. Moi, j'aime bien. Mais là, la magie, en plus, elle va faire très, très mal plus tard. Je pense qu'à mon avis, ça va être comme dans les Souls-like classiques où on va pouvoir choper des sorts et tout. Attention, hein, ça va être quelque chose. On va se régaler. Hein. Ah. C'était quoi déjà? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça? Ouais, c'est ça, et ensuite ça. Brothers and sisters, you honor us and all who came before you with your sacrifices.
while I wish they were unnecessary. Bon, cette fois, y a pas de monstre qui spawn. My wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Tes PV se grisent avec les parades et tu peux récup en tapant et quand tout est gris, tu meurs. Ah, ils se grisent avec les parades, ok. Attends, j'ai pas eu une clé là ? Parce qu'il nous fallait une clé pour le checkpoint d'avant. Attends. On l'a pas eu ? Une broche en or. Ok. Peau écorchée. Un morceau de peau exécuté pour manquement de devoir. Le jour où Isaac naît au grade de paladin, fait plus fier de sa vie, prêt à soigner mon servant. Ok, un rosaire de porte-lampe. Ah, les remarquables talents martiaux de Pieta étaient toujours éclipsés par ses facultés de guérisseuse, mais quand la guerre des saintes sentinelles contre les regards prit un tournant sauvage et désespéré, elle se trouve amenée à tuer beaucoup plus qu'à soigner. Une relique servant à améliorer le sanguinarix. C'est quoi le sanguinarix du coup? Ça a échangé auprès de Molu, ok, je sais pas qui est Molu. Ouais, c'est vrai qu'on a zéro armure là, on est vraiment en mode... on est vraiment plus prêtre que paladin en fait, en réalité, je crois. Hein. MU de qualifié ou pas? Ouais, MU de qualifié, demain soir il joue la grande finale. Ça va être fou. Demain soir, demain à 16h, sur la chaîne... Ça s'est pas vu. Dis-moi que ça s'est pas vu. Non, ça s'est pas vu. Welcome, Dr. Ça s'est forcément un peu vu. Allez, apprends-moi des sorts. Allez, mon frérot. Allez, allez, je sais que toi aussi la lumière t'a touché. Apprends-moi des sorts. Pont du repos astral, super. Il est où? Allez, apprends-moi des sorts, s'il te plaît. Casse pas les couilles, j'ai besoin de sorts là. Mon truc de light là, c'est de la merde. Allez, fais-moi faire des éclairs de lumière, un truc stylé, genre fais-nous rêver. Fais-nous rêver, putain. Ça doit être genre un hub où il y a pas mal de trucs, j'imagine. Attends, qu'est-ce que c'est que ça, regarde. Bah absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ça? On est déjà dans le monde des morts là, en fait, en vrai. Ah. Oui. Je savais que je me trouvais pas en vous jugeant digne de l'attachement mental qui nous attend. Mon nom est Dunmire, inquisiteur des croisés obscurs. Le saint ordre auquel vous avez l'honneur d'appartenir, l'église de la Radiance Ordon, m'a confié le soin de purger Monstin du fléau regard et de veiller à ce que l'ancien tyran Adir ne soit jamais libéré de son éternelle prison. Malgré le profond schisme entre l'église et la juge claire, ces saintes sentinelles perverties et elles. Ouais, je suis qu'une merde. Ah, il m'a donné un défi du croisé. Hein? Oui. Catalyseur de prophète de... Alors ça c'est le même, ouais, 100 plus 13, on l'a déjà. Mais regardez, vous levez votre arme pour l'imprégner de la radiance. Et là mon gars, quand tu tapes, bah, ça met des baffes. Ça c'est magnifique, ça qu'est-ce que c'est? Un miroir qui reflète l'énergie malveillante et vous protège temporairement de ceux qui cherchent à effectuer le rituel pourpre. Ok, ça c'est de l'armure qui effectivement réduit beaucoup plus les dégâts, regardez. Physique 35, ah ouais, elle réduit vraiment plus les dégâts. L'habit de néophyte. Attends, ouais. Attends, ce qui est en haut, c'est ce que j'ai, je crois. Hein. Ouais, ce qui est en haut, c'est ce que j'ai. Ça aussi, pareil, ça résiste plus un peu au physique, mais c'est pas non plus une folie. Ici, ça résiste un peu plus, mais c'est pas non plus une folie. Les gants, par contre, eux, ils résistent vraiment beaucoup plus. Les gants de néophyte, c'est vraiment mieux. Ça, c'est quoi? Des sels sacrés mineurs qui ajoutent des dégâts de radiance à une arme. Combien de temps? Je sais pas. Et ça, c'est le même marteau que j'ai actuellement, donc on s'en fout complet. Alors, utiliser, en vrai, vu que je joue beaucoup corps à corps, utiliser... mon mana pour me mettre du extra heal, ça me semble pas être une énorme connerie. Hein. Ça me semble pas être une énorme connerie. Hein. Non? Bon, on a mis 30 minutes à faire le boss en vrai, ça va. Hein. Ça me semble pas une énorme connerie, tu vois. Alors, est-ce qu'on achète ça, le truc pour lever ton arme et l'imprégner? Moi, je crois que j'aime bien ça, hein. C'est très paladin. Ça, c'est très paladin. Ça aussi, il faut que je le prenne.
Et du coup, est-ce que je peux lui vendre des choses qui me servent à rien? Une poche de munitions. Ok, ça, tout ça là, je m'en fous. Hein. L'épée, tous ces trucs là, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça, je peux vendre. 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 C'est de la merde. Ça, c'est une tenue que j'ai eue. Est-ce qu'elle est mieux? Je sais pas. Il faudrait que je regarde. En vrai, il faudrait que je regarde. Venez, on regarde tout de suite. Équipement. Cagoule de pèlerin. Physique 9. Non, non, c'est moins bien. Alors, en tout cas, la cagoule est moins bien. Est-ce que l'autre truc est moins bien aussi? Ouais, c'est moins bien, c'est moins bien. Ok. T'as vendu la relique pour améliorer ton île plus tard. Non, je te crois pas. Non, je te crois pas. Non, je crois pas, je crois pas. Bon, j'ai les deux. Comment je mets ça dans mes sorts, du coup? Ça doit être dans... là, c'est là, regardez, c'est là. R1 et R2, voilà. R2, on va mettre ça. Et là, on va mettre ça. Voilà, j'ai les trois. Ça veut dire, maintenant, je peux vraiment faire ça, clac. Et j'ai une touche par sort. Ah, t'es qui, toi? Ah, pardon. Toi, t'es qui, alors? Je revis, c'est un miracle, quand je pense que j'ai levé l'épée contre vous, l'instrument divin qu'il avait envoyé m'offrir la mort, la renaissance, la clarté d'esprit. Pardonnez-moi, porte-lampe. Je suis Pieta des Saintes Sentinelles, et tout comme Aurius me soutient, je vous soutiendrai en manifestant votre potentiel ou grâce à mon sang curatif que contient votre sanguinarix. Si vous trouvez des quintessences saintes, apportez-les-moi pour qu'elles renforcent encore le pouvoir de mon sang. Il faut purifier les balises, restaurer les Saintes Sentinelles et éradiquer le mal d'Adir. Alors attends, tu fais quoi, toi? Ah bah c'est ça, sanguinarix, d'accord. Ah bah c'est le heal, en fait. C'est le heal. Ok. Bah vas-y, je l'améliore. C'est bon, j'ai 4 heals. Yeeeeeee! C'est le boss que je viens de tuer en fait. Non, non, elle avait des ailes et tout, elle s'est barrée. Si, c'est elle. Peut-être elle. Hein. Il y a un autre gars là. Salut mon frérot. So the exact given that, and yet now, well, I'm Stone, a group of against them. We made of whatever the cost that harass as are you. Vends-moi un truc. Ah d'accord, donc lui c'est... Clé du nid de pèlerin, une clé ouvrant certaines portes dans le nid du pèlerin. Un stylet, il faut lui acheter la clé. Et la porte du tout début qu'on a... Voilà, mais en fait c'est ça, les gars, j'aurais dû jouer ça. J'aurais dû jouer le Saint Chevalier, putain, quel con. C'est pile mon gameplay, quoi, je suis trop fort en parade, je fais des esquives. Merde alors. Augmente les attributs vitalité et endurance. Ça c'est pas mal aussi, en vrai. Et en bouclier, je pense qu'il a, ouais, il a un bouclier beaucoup mieux. Mais de toute façon, je vais pas trop jouer bouclier, pour être tout à fait honnête. Ok, il y a pas mal de marchands. Hein. Pas mal de marchands. Ah, mais ça continue, frère. Attends, ils vendent tous des trucs. Aren't you the we tend to send Aureus? Anyway, you don't see that we set ourselves up as Mornstead. As Watchers Mornstead is a. Non, lui, il vend rien. Lui, il vend. Non, eux, c'est des simples péons, ils ont le même skin. Non, ils vendent pas. Ok. Les gars, je kiffe le jeu, hein. Je vous dis ça. Je suis en kiff. Très honnêtement. En même temps, le dernier jeu comme ça que j'ai fait, c'est Elden Ring. J'ai pas joué depuis. D'ailleurs, je l'ai jamais fini, je me suis arrêté devant le dernier boss. J'ai fait genre 10 tries et j'ai arrêté parce que j'étais trop triste que ce soit la fin du jeu. Je l'ai même pas battu. Oh putain. Ok, bon allez, on se casse. Déjà on va se reposer. Pareil lol. Ah ouais, y'en a qui ont eu ce syndrome aussi. Genre t'arrives devant le dernier et comme t'es triste, tu le fais hop. Non, c'était trop intense pour moi ce jeu là, les gars. C'était trop intense. Alors par où on se barre, les gars? Là y'a bien une petite sortie. Ah voilà, tiens, lui il contemple. Salut mon BG. Not a you like the one I've learned about that I hope you recognize that frightful bird in truth. Of course, my name, but far more as proven by my... That's right. With the fight only to... Ah, lui, je pense c'est le mage. Hein. C'est plume de corbeau et tout là. It saddens me to see. J'ai aucune idée de par où je dois me barrer. Je ne sais pas du tout où je vais. Ah bah c'est par là, je pense. C'est très certainement par là. Ah. Une vieille lance de... Oh non, c'est une nouvelle arme pour le perso que j'ai failli faire. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mec. Après, je peux la mettre. Je peux la mettre et elle fait un peu moins de dégâts. Non, elle fait les mêmes dégâts. Venez, on teste, non? Ah ouais, mais non, parce qu'elle se... les points de dégâts augmentent sur la force et l'agilité. Ouais, bon, en vrai, je peux, hein, je pense.
De toute façon, là, je me suis mis trop de radiance. Faut que j'arrête avec mon délire de radiance. Mais on est radieux. Nous sommes radieux, les Squeezos. C'est un monstre ? Ah, non. Careful, pardon. If you're headed for Pilgrim, non, c'était pas contre toi. Je te jure. Oh, merci pour le bat. Je voulais pas te critiquer, je suis désolé. Ça, c'est un monstre. Dis la vérité. Voilà, ça, c'est un monstre. Raté ! Ton petit guet-apens à la con, tu te le fous au cul, idiot ! Regardez bien, regardez bien. Chassé. Vous avez bien vu ? Vous avez bien regardé, j'espère. J'espère que vous avez bien regardé. Chassé, chassé. Allez, c'est tombé. La mort vient du ciel ? Idiot. Allez, hop, on revient déjà dans le monde des vivants, ça va 2 minutes, les conneries. Le décor me rappelle The Last Guardian. Ah ouais ? Ouais, je vois ce que tu veux dire, les trucs un peu genre... des échafauds, enfin des escaliers partout, du bois, des vieux trucs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, nouveau type d'ennemi, vous l'avez vu ? Je l'ai vu, on l'a tous vu. On a quand même des priorités dans la vie. Oh, bah voilà, je voulais le faire, mais il s'est tué tout seul, le coup. Toi, je sens que tu vas bien nous péter les couilles si je te tue pas. Vous faites pitié, hein, je vais être très honnête avec vous. Regarde-toi, tu ne tires pas droit. Pardon. J'ai failli tomber dans le vide. Mais je vais dire, c'est toi qui vas tomber dans le vide. Ah, j'ai pas le temps d'esquiver, my bad. Qu'est-ce que t'as, toi ? Arrête un peu, mon bébé. Là, il y a quoi ? Un contre sacré, ok. Alors, en tout cas, il y a de quoi farm ici, en vrai, en termes d'ennemis. Bon. Pardon, il y avait des prios avant notre petit 1v1, je suis désolé. C'est fini. Tu arrêtes, c'est fini. Tu tombes. Ok. Encore ? Putain, ça n'arrête pas. Oh non, venez, on se soigne, voir ce que ça fait. Ouh, c'est beaucoup de mana. Hein. C'est beaucoup de mana, mais c'est quand même pas mal. Avec plaisir. Avec plaisir. Merde. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil, ça. J'aime bien le corps à corps, c'est quand même vachement satisfaisant. Ah, pourquoi j'ai choisi la magie ? Bon, ne faites pas la même erreur que moi si vous jouez au jeu. Ah, regardez, tiens, tiens. Tiens, tiens, on dirait bien qu'il y a du loot par ici. Je fais pas genre, je sais qu'il y a du loot. Ne me mens pas, je sais qu'il y a du loot 100%. Aucun joueur n'a trouvé cet endroit. Qu'est-ce que t'as voulu faire ? Qu'est-ce que t'as voulu faire ? Et voilà, je suis un génie. Ne souffre pas de ce côté, voilà, je suis un génie. Je suis un génie ? Je le savais. Je le savais. Oh, il y avait un mec caché. Alors, on dirait bien que j'étais surpris à tout péter. Oh putain, me pousse pas. Désolé, je joue la sécu, je suis désolé. Mais wesh, c'est une folie, on fait du parcours. Oh putain de merde. Oh, c'est épique. Oh. Non, il est protégé. Putain de merde. Comment on fait ? J'ai oublié. Ah. 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 Oh. Oh tiens, ça chien que t'es. Merde. Ah merde, il reste un truc. Comment on fait ? J'ai oublié la touche, pitié. C'est un vin, je crois. Ah, papa. Bah, tricheur, t'es un tricheur. T'es un de ces tricheurs. Alors, maintenant que t'as plus rien. Tricheur de merde. Non. Oh putain. Je suis bloqué. Aïe, 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 aïe. Ce que je viens de prendre dans la gueule, je suis abattu, frérot. Allez, on a plus de temps à perdre.
Oh, j'ai failli tomber dans le vide tout seul, OMG. Tu me prends pour qui? Pour qui tu me prends? Tu crois? Vous faites tous la même blague, c'est ça les problèmes que vous avez, vous. Vous faites tous la même blague, les gars. Et ouais, faut être original un peu. Je crois qu'on est en train d'aller dans un truc caché, non? Parce que c'était pas le chemin principal, hein. Mais alors, tu crois qu'on ne voit pas pleurer? Oh non? OMG? Amateur. Pardon? Excusez-moi. Poussez-vous, excusez-moi, je ne suis que de passage. Qu'est-ce que j'ai eu? Des sels sacrés mineurs, ok, on prend. Putain, les mecs ils bougent pas, ils veulent que je les bute et je mets quand même 1000 ans. Après ils donnent vraiment rien. Franchement on n'est pas obligé de les buter, ils donnent que dalle. Là il va y avoir un mec, voilà. Hop, et coup de pied, allez hop, soit qu'il tombe, voilà. Et hop. Toi aussi. Y'a rien de plus drôle que de les faire tomber comme ça. Là y'a un mec 100%. Pas cette fois. Oh putain, toi. Vas-y, viens. Ça va mal finir. Cette histoire va mal finir. Pour lui! Il y avait un mec derrière, les gars. J'aurais pu crever, là. Il y avait un mec derrière, les gars. J'aurais pu... J'ai oublié un loot, tout ça! Oh mon Dieu! J'ai oublié un loot, il... Oh oui. Merci, je t'aime. Par contre, faut vite que je sorte de sonde, parce que plus le temps passe, plus les ennemis deviennent vénères. On a vu ensemble. Faut que je speed là. Bâton à clochette, ok. Là, faut que j'aille là. Ah ouais, c'est bon. Non, mais dis pas que. C'est un raccourci juste? Non. Ah non, c'est bon, regarde. Ah, regarde, je peux revenir dans le monde des vivants et tout. Je suis au top. Hop, je suis au top. T'as oublié un loot plus loin, là où tu vas vers le vide. Ah ouais? Mais c'est possible que j'ai oublié plein de loot, les gars. Je suis allé tellement vite, je vous avoue. Attends, venez, on y retourne un petit coup, là. Parce que les jeux comme ça, faut vraiment pas rater les loot et tout. Sinon, tu te sens vraiment con. Attends, je me suis pas reposé, là. Ah si, si, j'ai récupéré mes potions et tout. Mais j'avais jamais pris de potions. Attends, mec, je me suis pas reposé, oh le con. Ah, oh, yeah, bah oui, évidemment, tu m'attends. En vrai, c'est pas très grave, attends. Il y avait un loot peut-être là, non? Non, c'était où le loot? Maintenant qu'on est dans le monde des vivants, on peut prendre un peu plus notre temps. C'était derrière? Il était vraiment face de toi. Ah ouais? Je suis aveugle à ce point? C'est ça que vous appelez un loot? C'est pas un loot, ça. Hein. Ça, c'est de la monnaie du jeu, on s'en fout un peu, en vrai. J'ai failli tomber dans le vide, lol. Non, y a pas de loot, les gars. Plus loin, au tout début? Non, je vous crois pas. De toute façon, je pense qu'en vrai, le loot, c'est un... Ouais, mais non, mais regardez, les gars. Vers là? Non, y'a rien. Y'a rien du tout. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Elle est belle. Petit fragment de déralium. Aucune idée de ce que c'est, mais merci. Bon, c'était pas un item de fou non plus, mais... Du coup, comment accéder à la porte que t'as trouvée? Celle du début, là? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Bonne question. Ouais, je sais, il y a deux grilles. Il y en a une qui s'ouvre que de l'intérieur, et il y a celle du début aussi, du tout début, souvenez-vous, qu'on n'a pas pu ouvrir. Je sais pas comment on fait. Ah, c'est... Oh, la météo, elle change. Tu peux expliquer l'histoire du jeu? Attendez. Excusez-moi, j'ai des messages de Gotha. Attends, je pouvais me reposer, il me semble. Ah bah non, le truc a disparu. Et je peux planter, là, une graine? Non. Ok.
On est loin de, du feu là. On est loin de chez nous là. Mais il y avait un autre chemin au tout début dans l'église. Mais je pense qu'il menait à rien. Si peut-être à du loot quand même. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah voilà la porte. Clé du repos astral. Mais merde. Y a rien. Attends. J'aimerais trop qu'on arrive dans un deuxième boss rapidement. Je vous le dis, j'aimerais trop. Mais ça faut faire quoi déjà? Je sais plus. Je sais pas, mais j'ai pas envie de l'activer, ce flemme. Ah, bonjour. Ça veut dire quoi ça? Déjà, il faut passer dans le monde des morts? Ouais, si, il faut que je passe dans le monde des morts à ce truc-là. Je crois que c'est ça. Hein. Mais merde, c'est... les gars, j'oublie à chaque fois les touches. Qu'est-ce que je dois faire là? Carré? Ah, carré, je dois passer dans l'autre monde. Ah oui, voilà ça, je dois passer dans l'autre monde pour ensuite pouvoir faire ça. Boum, et là il se passe des choses, j'ai des visions. Et là je peux faire ça pour revenir, ok. Mais attends, j'ai tellement de barres de PV. C'est un piège? Attends. On est d'accord que c'est un piège ça. Mais jamais de la vie mon saut il va là-bas. Jamais de la vie mon saut il va là-bas. Et là, c'est un piège. Jamais. Attends, peut-être que. Got it. Attends, en fait, le mieux c'est que je reste dans ce monde-là, non? Ah non, parce qu'après. Attends, c'est chaud là. Déjà là-bas, il y a un bridge qui mène là-bas. Avec une save. C'est là-bas le chemin. Pas mal, hein, cette petite mécanique. Là, on comprend mieux, là. Avouez, on comprend mieux, là. Mais par contre, je peux pas passer, là. Mais... Merde. Ça veut dire que logiquement, en fait, faut que je passe là-bas, je fais tout le tour de ça, et ce pont-là, il se prend de droite à gauche, en fait. Je pense que c'est ça, l'histoire. Du coup, faut que je repasse dans ce monde. Je pense. J'espère que j'ai pas fait une connerie. J'ai fait une connerie. Quel intérêt alors? Bah là du coup je suis... Ah! Trop loin. Bah là du coup je suis mort. En vrai si on se parle français. Parce que je peux pas revenir dans le monde réel. Je suis mort? Ah attends, faut que je refasse ça? Non je pense pas. Divine is here. Witness this offering I make to you. Je devais avoir la lampe puis enlever pour tomber sur la plateforme. Ah oui! Ah oui! Mais du coup là je suis maxi baise. Ah non, je peux planter une graine? Non, j'en ai pas. Bah les gars, là c'est la mort. Hein. Je peux pas... En fait, ouais, en fait, fallait que je fasse ça, que je me mette au-dessus et que je relâche. Waouh! Mais j'ai un trop petit QI pour le comprendre de moi-même. Dans tous les cas, là je suis mort, je pense. Ouais, dans tous les cas, je suis mort. Allez, on va se tuer. Je sais, ça fait mal au cœur, je sais. Oh non, je respawn là. Wouah, con. Wouah, les bâtards sur une mécanique que j'ai pas compris comment c'est punitif. Oh. Bon, on va speedrun, on va ignorer tous les monstres, hein, je vous le dis. Alors du coup, non, tu sais quoi, on va peut-être pouvoir... Oh les bâtards, je suis dégoûté.
On va peut-être pouvoir juste aller explorer ce qu'il y avait, vous savez, dans le château. Bon, si je meurs, je perds 3000 âmes. Je pense qu'on s'en bat les couilles, hein, très honnêtement. Ça m'a fait aucun dégât. Un amateur, le type. Est-ce qu'on va dans le château voir ou pas? Oh, c'est un cul-de-sac, on n'est pas bien. Putain, mais là, du coup, je peux faire des petites folies. On va essayer une autre. C'est un autre chemin. Autant aller voir ce qu'il y a là, en vrai, je trouve. Autant aller voir ce qu'il y a là. J'aime bien qu'il fasse des petites épreuves d'agilité là, c'est marrant. Ok, boum. Non ! Oh les bâtards. Ça fout le bordel cette lampe là. Oh, il y a un item ! Calculer. Il y avait un feu à l'entrée. À l'entrée de quoi? D'ici? Mais trop pas, les gars. Con mec, mais voilà. Ah ouais, on l'avait dit. Ah mais du coup j'ai perdu mes 3000 âmes. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Moi, j'avoue, la mécanique de la lampe, elle me fout grave la flemme. Ah ouais? Parce qu'il faut réfléchir. Pour avoir... Regarde, regarde. Elle te fout pas la flemme, regarde. T'as un beau loot, là. Regarde, je trouve une full tenue. Oh, la tête de fou. Oh, la tenue de fou. Pitié. Pitié, je peux la mettre. Oh, la tenue de fou, mec. Non mec, je suis désolé, la tenue elle est exceptionnelle, je suis désolé. Hein. Tu peux pas me dire que cette tenue elle est pas exceptionnelle, frérot. Tu peux pas me dire qu'elle est pas exceptionnelle. Ah mec, on en avait tellement besoin. Regarde, regarde. Regarde la lampe, ce qu'elle nous rapporte. Tu peux pas faire la gueule, frérot. Et là, le mieux qu'on ait en fait, c'est cette robe de con. Hein. Elle est extraordinaire en termes de res. Réduction des dégâts physiques, elle est folle. L'habit de prophète, là, il est ouf. Faudrait que j'achète la bague de l'autre. Regarde mec, on vient de level up. On va tellement mieux tanker. Non, moi je trouve ça extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on était passé... On était passé où? On était passé là. Ok. Là il y a juste du feu. Ah oui, là-bas, je crois que là, on s'était fait baiser là. Ouais, voilà, faut aller au bout. Mais du coup, si je veux aller là, faut que je passe dans le monde des morts, non? Pas compris. Fallait que je passe dans le monde des morts, je pense. Fais chier, excusez-moi les gars, excusez-moi. Fais la même chose en boucle, je suis vraiment un de cul. J'ai pas lâché la lampe, hein. Elle s'éteint toute seule. Je pense qu'il fallait que je passe dans le monde, on dirait vraiment pas un mage. Mais si, c'est ça qui est stylé, c'est qu'il arrive, tu te dis, ah lui, je vais le tenir à distance et avec mes flèches, je vais le niquer. Sauf qu'en fait, il t'envoie des énormes éclairs de lumière et tu fais quoi? En fait, il a des capacités magiques. Ça veut dire que c'est un paladin. Ah! Hop. Après, je te brûle la rétine. C'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, attends, parce que... Ce truc-là, là, on peut redescendre en bas. J'aime bien. On va aller voir le truc de l'autre côté, mais je crois qu'il faut... Ça, je peux ouvrir. Voilà. Tu vois, faut toujours fouiller ça que j'aime bien. Grenade empyréenne, ok. Faut toujours fouiller dans les jeux comme ça. Ouais.
Faut que je descende. Alors, est-ce qu'il faut pas que je passe dans le monde des morts, en fait, pour l'autre truc? Moi, je vous dis que si. Alors, faites-moi confiance. De toute façon, c'est moi qui ai la manette. Voilà. Oula. Il y en a un derrière moi maintenant, 100%. Non, c'est bon, il est pas là. Boum. Et il fait tomber un loot. Et j'ai quoi? Des vertèbres de l'umbral. Aucune idée de à quoi ça va servir, mais vas-y. Non, les gars, en vrai, j'aime bien notre perso. Je vous dis la vérité. En vrai, j'aime bien. Je crois qu'on a été un peu dur avec lui. Si je tombe, je meurs. Attends, on va redescendre par là. Rien à foutre de ton échelle. Qu'est-ce qui m'arrive? On est bien, on est bien, on est bien. Regardez, on est bien. On fait ce qu'il faut. On loot un peu des âmes. On est de l'autre côté des cellules. Il y a rien. Il y a quoi? C'est qui lui? Ah! Ici les vœux, par le fer d'une sentinelle, je m'étonne donc de vous trouver en vie. J'imagine que la promesse. Nanani nanana. Tu me donnes un loot s'il te plaît? Énorme radin. Énorme radin, c'est un scandale. Je vais te buter. Je te le dis, hein. Quand je dis que je vais te buter, c'est que je vais te buter, frérot. T'as de la chance. Tiens, je peux descendre encore? Là, on a quoi? On est encore plus haut. Ah bah non, j'ai fait le tour en fait, je suis trop con. Oui. Putain, ça je l'ai toujours. Hein? J'ai cru que ça avait ouvert un passage. Ok. Vas-y, on va juste se remettre en... Mais... Attends, mais je suis où là en fait? Où est-ce que je suis là? Hein? Un boss? Pardon? Putain, il a le parasite. Je peux rien faire. Toi, dès le début, tu triches, c'est ça. Pas sympa. Si tu fais ça, je vais utiliser la magie, hein, je te le dis. Hein. Tricheuse. Ah, ah bah tu vois, ah, ah, ok, ah t'es sûr que tu veux jouer à ça? La lumière, c'est moi. La lumière, c'est moi. Je suis la lumière! Oh non, j'étais déjà dans le monde des morts donc je suis mort. Oh non, j'ai pas anticipé. On est déjà à notre deuxième boss. Les petits squidos, on est pas en train de se régaler. Un boss caché qui plus est. Boss caché. Illumine ton marteau. Ouais, mais en fait, elle aussi, elle croit maîtriser la lumière. Donc du coup, elle... tu vois, elle fait la ouf. Genre, je pense mes dégâts sur elle, ils vont pas être fous, quoi. Comment on avait fait déjà? En fait, je crois que juste si je redescends là... En fait, j'ai pas besoin de mourir pour aller la voir. J'ai juste à descendre tout ça, regarde. Boum. Boum. Voilà, et là c'est le boss direct en fait, ouais. Donc regarde ce qu'on va faire, on va traverser. On va niquer son parasite déjà. Parce que ça déjà, on en parle pas, mais voilà le cheat code frérot. Allô? Bah, pas tricheuse. C'est une folie. J'adore son chara-design. C'est bien, on va faire le tour du poteau. Merci. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir... Par la lumière sacrée! Ok, maintenant je vais depuis le vert. OMG, les dégâts! OMG! Si tu veux. Six choses.
J'ai pas vu. Je vais mourir. Je rigole, je vais mettre des coups et quand je vais mourir, je vais revivre! Parce que je suis pas encore dans le monde des morts! Amateur. J'avais un HP, t'as raté ton occasion! Idiot, boulet, nulos, grosse tasse, tu es morte! Bien trop simple! les gars, la lumière sur nos marteaux, elle reste. Une heure? Les gars, c'est exceptionnel. Les gars, elle reste tellement longtemps. Voilà, elle vient de partir, mec. Après, c'est parce que c'est un boss que je pouvais taper très souvent. Je pense sur un boss avec des coups beaucoup plus lents, comme le premier boss qu'on a fait, enfin avec des séries de coups beaucoup plus longues, et nous donc des tranches d'ouverture très faibles, je pense que ça nous choquerait pas. Mais là, j'avoue que ça n'a pas pris de temps de max ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'a fait gagner? Faut que je change ce bouclier de merde. Ah bah voilà, regarde. Saut brisé. C'est encore plus de la merde, en fait, je crois. Ouais, c'est de la merde encore plus. Qu'est-ce que j'ai eu comme item? Elle m'a looté un truc, je crois. Elle m'a looté quoi? Ah, ça devait être des... Je sais pas. Tu as gagné le fléau. Ah, une arme? Non. Bâton, fléau. Oh non, c'est une arme pour... Oh non, c'est une arme agilité, je suis dégoûté, frérot. Hop, oh, ça par contre, vous avez vu le bâton à cloche, c'est une arme radiance. Malheureusement, ça fait moins mal que ce que j'ai. J'ai pas mieux. Après, peut-être je pourrais imprégner une arme de lumière, genre avec un... En mettant un l'équivalent du forge mage ou un truc comme ça. Dandofus. Ok. Bon, bah, pour le moment, ça nous sert à rien, ce qu'on a eu. Je peux l'équiper, mais en fait, on peut voir la gueule qu'elle a, hein, mais... Elle ressemble à ça, l'arme. C'est un vieux fouet, quoi. Peut-être son moveset comme ça, il est fort. Ouais. Et ça, la série de coups. Ah, pas mal, la série de coups. Ça, c'est, peut-être ça fait mal. Tac, tac, tac. Tu vois? Peut-être ça. Boum, 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 boum. Peut-être ça. Attends, viens, on teste. Est-ce que ça fait mal dès le début? Ah non. Non, c'est juste une attaque chargée en fait, c'est de la merde. Ah mais non, je sais, je peux pas le faire justement parce que j'ai pas d'agilité. Ouais, ok, du coup je pense que j'ai pas accès à toute l'arme, tu vois. Ok, pour le moment j'ai pas mieux que ça. Bon bah on s'est fait un 2, bon c'est vraiment un mini boss, hein. Il est caché, je pense que c'est un petit secret quoi. Oh, le piège de fou, mec. Oh, les bâtards. J'ai eu trop peur. Vu que t'as pas la stat, je ferai moins de dégâts. Ouais, ouais, je ferai moins de dégâts. Et je pense que j'ai pas accès au moveset de l'arme aussi, quand j'ai pas la stat. Là, il faut 12 agilités. J'ai pas 12 agilités. Donc, j'ai dans le cul. Je pense. Ok, bah, pas mal, ce petit détour. En vrai, on s'est régalé, non? Je connais ça. Allez hop, on se repose. Et on va améliorer le... Je pense qu'on a 2 points. On va mettre un en vie. Peut-être faut mettre un peu de force parce que les armes, souvent, c'est un mélange de force et de radiance en l'occurrence. Donc je me demande si je mets pas un peu de force. J'ai que 10 en force, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que je devrais pas mettre un peu de force, tu vois? T'as oublié un loot dans la salle du boss? C'est pas vrai. Là, j'ai 10 de force. Vous voyez pas, il y a ma cam. J'ai 10 de force, 13 de vitalité, 21 de radiance. Je me demande, sachant que pour mettre mon marteau, par exemple, là que j'ai, pour mettre le marteau que j'ai, vous voyez, il faut 10 de force. Donc, pile ce que j'ai. Donc, à mon avis, il faut que je mette de la force, sinon je vais me faire baiser. Merde, je me suis reposé. Ta classe demande que des stats radiance quasiment. Bah non, regarde la preuve, mon marteau, si j'avais pas 10 de force, je l'aurais dans le cul. Je pense que 1 ou 2 de force, c'est pas... C'est pas déconnant, vas-y, je le fais, je me fais confiance. En plus, j'ai presque de quoi me passer. Encore un level, faut juste que je tue 2-3 monstres.
Il n'y a pas de l'endurance, il y a de l'endurance. Mais pour mettre des armes, c'est soit tu joues un livre sacré et t'as juste besoin de radiance, soit tu joues une arme là comme j'ai, qui fait, regardez en fait, pour ceux qui captent pas, regardez, vous allez voir, vous allez comprendre. Oh, regardez, regardez en bas là, dans l'arme. Regardez. Juste là où il y a mon doigt, le 47 là, c'est les dégâts physiques que l'arme elle fait. Mais elle fait aussi des dégâts sacrés. Qui est eux proc sur mon combien de radiance j'ai. D'accord ? Elle fait ces deux lignes de dégâts là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de radiance, puisqu'elle fait des dégâts de radiance là que vous voyez, et que j'ai besoin de force, parce que ça reste une arme. C'est pas juste un livre qui ferait zéro. Par exemple, un livre ferait zéro dégâts physiques et il ferait 100 dégâts de radiance. Mais moi j'ai envie de mettre des coups, donc je préfère une arme comme ça imprégnée de sacré. Et il y en a forcément d'autres dans le jeu. Donc faut juste anticiper cette prochaine arme qu'on trouvera, combien elle nous requiera de radiance et de force. Donc là c'est 13 et 10, donc je les avais de base vu que c'est l'arme avec laquelle j'ai spawn dans le jeu. Là je suis à 21 de radiance, donc je pense que je serai bon, tu vois, je pense qu'il faudra 18-19 pour la prochaine arme. Par contre en force je pense qu'on est un peu léger, voilà. J'espère que ça vous a plu ces petites explications, moi je les trouve pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un paladin, spell lumière. Ouais voilà, en gros moi je le joue paladin. Paladin c'est, tu utilises de la lumière et des sorts mais tu tapes au corps à corps. Alors que prêtre c'est juste full sort. Voilà. Et ouais, faudrait que j'améliore aussi mon endurance qui est la barre verte permet de taper. Ouais, bien sûr, évidemment. Je peux passer là? Non. Ah, mais vraiment, je peux ouvrir? Oh, clé du nid du pèlerin. Ah, mais au moins, elle est là, on sait. Il y a un big coffre. Oh, bâtard, c'est l'autre qui la vend là. Je crois que la clé, elle était à la forteresse de tout à l'heure. Il me semble. Wesh. Ah, ouais, d'accord. Ah ok, pardon, excuse-moi. Ah bon bah de toute façon je vais me faire foutre, ça va plus vite. Je déconne, t'es mort. Pardon, je vais me faire foutre, je me casse. Oh, il fait trop mal lui. Mais wesh. Je vais tomber dans le vide. Ça fait trop mal, frère. Il m'a fait prendre 3 trucs de vie. Toi, tu crois que je t'ai pas eu ton petit coup? Dégage, va. Cafard. Il m'a fait très très mal, lui, mec. Je suis abattu, là. Il m'a fait super mal. Putain. Loot? Ah ouais, il y avait un objet, vous avez raison. Attends, il y en a un là, déjà. Je crois qu'il y en avait un caché. Ah, bouclier simple, pas mal, du coup on va pouvoir remplacer. On en a un là. Je viens de perdre de la vie sur ce jump. C'est pas possible, frère. Hop, on se vile un coup. J'aime vraiment bien la classe, moi. Je vous le dis. Ça veut dire que dans le monde des morts, il se passe des choses. Ouais. Allez, direction le monde des morts. Moi je m'y fais finalement à ce truc de la lampe. Au début j'avoue c'est troublant, mais finalement tu t'y fais. Hop, petit raccourci. Comme ça il n'y a plus besoin de faire ça. Il n'y a rien à loot. Ouais, on va commencer à se prendre des mobs. Ah ouais, il y a la statue là-bas. Toi, je sais que tu vas me faire chier. Ah non, pardon, c'était... Putain, c'est pas possible. Lui, normalement, le sacré, ça va le déglinguer, non? Que dalle, frère. Frère, c'est horrible, ces monstres. Oh non. Oh, c'est fini. Mec, ils font trop mal! Oh, je pense pour les taper, faut que j'imprègne mon arme de sacré. Ils font trop mal, les bâtards. Attendez, j'aimerais bien... Je suis accro. Voilà, je vous le dis, ça y est, je suis addict au jeu, ils m'ont eu, félicitations. C'est quoi, ça?
On peut être tranquille une seconde, les gars, please. Vas-y, viens. Ouais, j'ai pas le dessus. Hein. Je suis mort. Frérot, ces monstres-là, ils font trop mal. Je comprends pas. Ils font trop mal et tu peux pas les faire tomber. C'est horrible, mec. C'est horrible. Faut juste vite que j'aille tabasser l'autre. Il est où? Il est au-dessus, putain. Allez, pendant que j'ai du sacré sur mon arme. Il est là. Il est vers là, je crois. Je reprends ça. Là, j'avais beaucoup de vigueur, je t'avoue, j'ai pas envie de la perdre. Je vais repasser dans le monde des vivants avant de l'affronter. Allez. Ah, putain, les ennemis. Il a spawn, frère. Ah, il est caché là. C'est pour ça que je le voyais pas. Ok, je comprenais pas. Allez, vas-y, viens. Peut-être il peut tomber dans le vide avec un petit... la chance d'un petit bug. Je suis mort. Mais... oh, putain, frère. Non, c'est bon, je peux tomber là, normalement. Ouais, c'est bon. Oh, putain, c'est dur. Allez, tombe. Rien à foutre. Merde, je me suis fait de touche. Oh ma putain, je souffre. Je souffre, les gars. En fait, je pense que la magie, elle est pas mal pour les petits mobs à la con comme ça, tu vois. Là, c'est pas mal, en vrai. Il donne quand même 400 ombres, hein, lui. Hein. C'est pas de la merde, hein. Il me reste 3 hits, je vais en claquer un pour être sûr de pas me faire one shot, sinon ça va être chiant. Il a looté un truc. Qu'est-ce qu'on a? Une chaîne de bras de petit pénitent ardent, ok. Je me casse. Ennemi proche, il est où l'ennemi? Il est où l'ennemi? Il n'y a pas d'ennemi proche, c'est ça que t'appelles un ennemi? Il m'attaque même pas. Ah, c'est bon. Comme ça, si je meurs, on a une seconde chance. Ok. Je sais pas où il est. Bon, bien joué à lui. Je ne sais pas où il est. Eh bah putain, on se fait bien enchaîner, hein. C'est pas facile, hein. Je me régale, les gars, sur des jeux comme ça. Je vous dis la vérité, j'aime trop ce genre de jeu. En fait, je kiffe parce que s'il y a un truc de... Donc, toi, frérot, je vais t'exterminer. Écoute-moi bien, tu vas passer un très mauvais moment. Oh, le bâtard, il y a un truc qui protège. Comment on fait? J'ai oublié, putain. J'ai oublié. C'est ça, putain. Je suis dans la merde. Oh merci! Oh putain! Oh j'avais oublié! Oh Dieu soit loué! Ah! Ne tuez pas, par pitié. On fait récupérer ma vie. Putain. Je suis navré, je prends zéro risque. Il n'y a que des fourbes dans ce jeu. Je prends zéro risque. Je suis navré. Je sais que vous faites rien, mais je suis navré. Sainte louange. Ouh! Attends! Non, c'est quoi Sainte Louange? C'est pas une arme? Sainte Louange! Agilité 12! Non, mais allez vous faire foutre! Allez vous faire foutre! Il y a le mot sainte, fais-moi rêver! Dis-moi que c'est un item pour la radiance! Oh! Frérot, non, ça se passera pas comme ça, je te le dis direct. Là, je veux vraiment pas mourir, on commence à avoir pas mal d'argent. On est en multiplicateur, ça veut dire quand t'es dans le monde des morts. Faut juste pas qu'on croise un... Il est pas mort? Allô? Non, j'ai pris un truc de derrière là. Attends, j'ai pris quoi de derrière? Oh non, putain de merde, je veux pas.
Non, vas-y, va te faire foutre, qui fait ça? C'est lui? Casse les couilles, frère. J'ai envie d'aller... Y'a pas un... Y'a un mec avec ses fucking... J'ai plus de potions, là, y'a quoi? Y'a rien du tout, frère. Je suis déjà dans mon démarche, je suis trop con, j'ai rien à voir. Là, je pourrais aller là-bas. Là, c'est un sanctuaire ou pas, là-bas, les gars? C'est une save ou pas, au bout de ce truc? Parce que je peux le tenter rapidement. Attention, il va me taper. C'est une save ou pas, là-bas, là? Non, hein, je crois pas. Hein. Fais demi-tour. Bah, pourquoi je fais demi-tour? Je suis au bon endroit, frère. Faut juste que je monte là. Je pense là-haut, il y a une save vers là-haut, c'est obligé. Si j'arrive à esquiver lui... Et, ah, mais lui va me mettre un sort pendant que je monte, ce con. À moins que je me remette du mana. Ok. Ok, je m'en suis remis un peu, je vais m'en remettre. Et là, je me mets le heal. Et je vais me remettre le heal. Ok, faut que je tape pour récupérer le bonhomme, mais c'est parfait. Hein. Allez, bâtard. Ah, mais j'ai compris comment battre les big gars. Faut sortir l'âme de leur corps et pousser leur âme dans le vide. C'est ça, mec. Je suis trop con, les gars. Bon, les mecs, je vous dis la vérité, là, il va falloir prier. Là, je vous dis la vérité, je vais tenter un move. Je vais tourner autour. Ah non, mais l'échelle, elle touche pas le sol, en fait. Je comprends pas, en fait, ce qu'il faut faire. Je pense que je suis obligé d'aller là-bas. Dans tout cas, je suis obligé d'aller là-bas. Il doit y avoir un truc qu'on voit pas. Je suis obligé d'aller là-bas. Pour ensuite... Parce que là, regarde, dans le monde des morts, l'échelle, elle est inaccessible. Elle est inaccessible. J'ai très très peur. Je suis terrorisé. Est-ce qu'on va à gauche ou est-ce que... Ouais, y a pas le choix d'aller voir là-bas, sinon on est bloqué. Là-bas, y a forcément une raison, les gars. Tu vois, y a un truc, je pense ça, c'est pour revenir à la vie. Donc si j'arrive à esquiver lui, je le tape. Là, je fais le truc vite fait. Faut que je tue le mec au sort. Parce que lui, il est très très lent, en vrai. Faut que je tue le mec au sort. Vous pensez que ça peut passer en un coup, là? Allez, j'y vais. Yes, on a de la chatte. Alors là, il y a l'autre bâtard qui va se ramener. Il est là. Faut que je le tue lui parce que je sais pas. On sait jamais. Je vais tout. Ouais, mais là, il y a beaucoup là. Là, c'est beaucoup là. Je vais tenter le truc sur l'autre. Ok. Il est où le. Il est pas là. C'est mon moment. C'est ma chance. Je peux tomber dans le vide. Je vais tomber dans le vide, frère. C'est bon, on l'a. Ok les gars, c'est fait. On l'a fait. Oh, oh. GG les gars, c'était beau. On l'a fait, putain. Je suis comme un ouf. 3 minutes que t'es dans l'ombral. Ouais, là ça va spawn à foison. Faut vraiment que je me casse de ce monde. Le problème c'est que là, ils auraient dû me mettre là, juste devant moi, un truc de l'ombral. Ils l'ont pas fait, frère. Et ouais, l'arrière, je suis en x3, mec. Aïe, 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 là, il va y avoir vraiment beaucoup de monstres, les gars. Regarde, j'ai une aura noire et tout autour de moi. Aïe, 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 faut vite que je sorte de ce merdier. Là, il y a des créatures puissantes qui vont me baiser. Il y a des piafs ou je rêve? Ah! Faut que j'appuie, là, ouais. Faut que je cours. Là, faut vraiment que je cours. Je sais, il y a un item, j'ai pas le temps. En cas, je reviendrai après. Faut vraiment que je trouve un... Oh non, pitié. À
allez, allez, allez. Y a pas un truc là ? Fais un truc, sale chien ! Oh ! Oh ! Allez, repose-toi. Waouh ! C'est pas passé loin, les mecs. Ce n'est vraiment pas passé loin pour le coup. Another lunch at you and I'll tend for whatever the hell it's, but nothing. And remember, mind just use on it. Ah ouais, d'accord. En plus, il triche. Ok, chacun ses petits plaisirs coupables. Ah non, pas celui-là. Ok, combien il donne? Les gars, j'ai pas presque assez pour acheter la clé qu'il y avait dans l'autre truc. C'était pas 6000 ou 6005? Il y avait un item là-bas qu'on a pas pris là-bas là. Je veux le prendre. Je peux pas. Ah, je suis obligé d'aller sur la, en bas sur la truc. La clé c'est 9005. Ah ouais, on est loin en fait encore. My bad. Merci. Après, on a des fragments, genre, si on utilise les fragments qu'on a, y a moyen que ça suffise, non? Vous en pensez quoi? Moi, je crois, hein. Non, je pensais qu'en fait, on pouvait utiliser un objet pour obtenir des fragments, mais en fait, non. Ouais, en fait, c'est mort. C'est 9500, ok. Descends puis monte sur l'échelle que t'as débloqué. Ouais, faut que je fasse ça, mais... Oui, vas-y, on va faire ça, de toute façon, je vais être juste à côté. Le truc, c'est qu'il y a un autre gros monstre en bas. Mais non, regarde, c'est juste un checkpoint, ça sert à rien. Ça va me ramener là pour... Ah oui, mais pour aller prendre l'item, vas-y, allons, on y va. Si je meurs ici, je pète les plombs. OMG. Je vais mourir. Oh putain, les gars. Aïe, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on y va. On commence par lui. On avance. C'est trop bizarre. Trop bizarre qu'il fasse une roulade quand je fais ça. Je comprends pas. Mais... Wesh. Ah oui, le blème c'est quand je suis dans ce monde-là, l'échelle elle est bloquée. Ah putain, comment c'est relou. Aïe. En fait, si je vais en bas, faut pas que je. Après là, du coup, je vais pouvoir le prendre maintenant. Normalement, là, vu que je suis en x1.10, il y a l'autre qui veut me faire chier en plus. Ça se trouve, c'est l'autre con qui va me tuer avec ses spells, j'y crois pas. Non, j'ai de la vie. On est obligé de se retaper le chemin. Oh ! C'est une folie, mec ! D'où ? On va mourir. Si ça marchait pas, on était mort. Pour la charte. C'est forcément un item de ouf pour qu'il soit aussi chaud à aller prendre, non, les gars, en vrai de vrai. Épée à épine de recteur pourpre. Je suis sûr que c'est une folie. Et je me casse. Et je me repose ici. Ouh. On l'a fait. Chez Dispo, même dans les morts, elle était pas là tout à l'heure, je pense que t'avais besoin de la descendre. Ah oui, mais quel con. Quel con, vous avez raison. Et ça, c'est quoi? Je reconnais ça. Non. C'est pas un boss. Si, croyez-moi. Les gars, là, on a 6006, donc si on les perd, ça va faire très très mal, je vous dis. Avec tout le respect que je vous dois, je vous le dis, ça va vraiment faire très très mal.
Désolé, vous, je vous en veux pas vraiment, je veux pas vous faire mal. Mais... une échelle, évidemment, elle est Keblo, faut faire tout le tour. J'ai pas envie de tomber dans le vide. Ah mais ça c'est pas là où on était tout à l'heure ? Non, non je crois pas. Oh non. Oh non. Alors, venez on teste ma technique. Genre on fait ça. On fait ça. Je suis mort. Ça sert à rien. Je suis mort. C'est pas, on va récupérer l'argent, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah mais non, je suis pas mort, j'étais dans le monde de... Ok, putain. Putain, eux ils font vraiment chien, c'est vraiment un truc de ouf. Putain, mec. La technique, elle marche pas. J'ai vraiment esquivé, frère. Je suis dégoûté. Ils font chier hein, parce qu'en fait ils font super mal quoi. Bon, je suis dans le monde des morts, c'est pas grave. On va forcément trouver un endroit où s'en sortir. Ah, je dois descendre. Je suis sûr de ça là. On est bientôt 9500 hein, les gars. Le temps passe et en vrai, là je peux peut-être. J'ai une graine. Ah, j'ai pas de graine. Il y en a une, ça c'est une graine. Non. Là, ça me ferait chier. De mourir là, je vous dis la vérité, ça me ferait vraiment chier là. Donc je peux soit descendre là, dans ce champ, dans ce merdier. Ah mais non, il y a un truc pour revenir à la vie là, non ? Il y a un mob là. Soit je peux descendre là, soit je peux aller tout droit. Vas-y, j'ai envie de descendre parce qu'il y a un truc. T'as pas regardé les pectales de toi, je vais regarder. Oh, c'est un nouveau mob, mec. Waouh ! Heureusement, ah, mon arme elle fait vraiment plus mal comme ça. Hein. Faut que je sorte 2 semaines le plus vite possible, sinon je vais être dans la merde. C'est quoi ça? Ouh! OMG m'a fait trop mal, j'ai envie de tout casser. Je suis mort. Prends vite un truc. Attends, c'est très chaud là ce truc là-bas là. C'est quoi ce merdier là? Attends, c'est pas grave. Je suis passé. Ici c'est la merde. Je me casse, m'en voulez pas. Je me casse, excuse-moi. Merci. Allez, il a pas le temps de m'éjaculer dessus. Ah, il a fait m'éjaculer dessus. Ok. Allez les gars, là faut vraiment pas perdre nos âmes. Là, si on perd nos âmes, je vous le dis, on va être très très triste les frérots. On va être très très triste. C'est juste pour du loot. Non, je m'en bats les couilles. Aïe. Oh. Oh oui, mec. Merci. Quoi, ennemi proche, y'a pas d'ennemi proche. Il n'y a pas d'ennemi proche, y'a un ennemi proche, en effet, tu vois. C'est bon. Yes! Ok, on est au top. Ah ouais mec, là le monde de l'au-delà il devenait... ça devenait quelque chose hein. On peut frapper là-bas, j'ai rien compris à très joueur qu'on a pris, j'ai rien compris. Mais je crois que c'est pas mal hein. Ouais donc là je viens de me faire un raccourci non? Ah mais c'est là-bas la suite hein. Le problème c'est que j'ai toujours pas de graines à planter quoi. En revanche j'ai un petit heal à me faire. Fils de... Ils rendent fou eux hein. Franchement, ce spell là, il rend fou, je ne le vois jamais venir, je suis vraiment nul. Regarde-le ce con là, en plus, il arrête, clairement, il arrête de me regarder tellement il est serein. Regardez, il est planqué dans ses cartons, j'y crois pas. Attends, on venait de là ou pas? Non, on venait pas de là. On
On venait d'où là? Putain, lui. Ah, attends. Parce que là, mon frérot, là, je vois très bien ce que vous essayez de me faire. C'est raté, c'est pas grave. Une grappe. Oh non. Non, ça va. Ah, putain de merde. Ça va être chaud là. Je suis mort. Vite. Ok, je suis un boss. Ma seule solution, c'est la fuite. OMG, je suis mort. Je nous voyais 9200 âmes, les gars. On va voir la clé. Évidemment, on va aller là-bas. Évidemment qu'on va aller là-bas. Vous le savez, je le sais, ils savent, nous savons. On va aller derrière cette porte. Il nous reste que 300 âmes. Et je vais vous dire, on va finir ce live sur ça. Je suis ravi de ce qui vient de se passer. Par contre, ça, c'est un cul-de-sac. Ça mène à rien, en fait. C'est une baise, ça, là. Ah, attends, il y a un truc au-dessus. Attends, il n'y avait pas un truc tout à l'heure à faire sur les lianes comme ça, là? Attends, je crois que si, hein. Ça, là. Il n'y a pas un truc à faire sur ça, là? Je me souviens pas. Non? Les lianes, là, s'il faut que tu ailles dans le monde des morts. Ah ouais? Pour aller dans les lianes comme ça, là? Faut que j'aille dans le monde des morts, on est sûr. Bah venez, j'essaie de le frapper l'autre alors avant d'aller dans le monde des morts, parce que n'oubliez pas qu'il y a un mec là-bas qui va me péter les couilles. Ah bah oui, c'est ça. Une entité de l'ombral vous empêche d'avancer. C'est quoi une entité de l'ombral? Bah. Je comprends pas là. Je meurs en fait. Là, les lianes. En fait, les lianes, elles te montrent un passage secret, je crois, si tu les suis, tu vois. Elles te montrent ça. Le problème, c'est que je peux pas y accéder. Ouais, la nouvelle arme, c'était quoi? C'était ça, on peut pas le mettre. Épée à épine de recteur pourpre. C'est. Fallait de la force. 19 de force pour le mettre. On les a pas. On ne les a pas. C'est dommage. Mais c'est pas grave. On va attendre notre heure. Passe dans le monde des morts. Mais non, mais je crois pas, les gars. Faut que tu tues le monstre. Non, je crois pas. Une entité de l'ombral vous empêche d'avancer. On a jamais eu ce message. Faut que tu détruises 3 trucs dans le monde des morts qui sont à côté de l'œil pour qu'elle s'ouvre. Vous êtes sûr de cette info? Je veux bien passer dans le monde des morts. Le blème, c'est que là, on n'est pas prêt de revenir dans le monde des vivants. On va se taper un multiplicateur relou. Il y a lui là-bas. J'aimerais bien baiser lui, en fait. Attends, on peut pas le faire bugger. Oh, pitié, les gars. Je veux pas que ça finisse comme vous le pensez. Va choper la clé, reviens après. Ouais, mais le blème, c'est que je... Vous voulez que je revienne au feu de camp du début? En vrai, c'est plus safe, hein, je crois, hein. Utilise ta magie, j'ai plus de mana, les gars, j'ai quasiment plus de mana. Je comprends pas comment on passe l'entité là. Je vous le dis la vérité, je comprends pas. Là y'a rien. À moins que, attends, viens, on regarde. Ah, je vais reperdre un peu de vie, non, c'est bon. Là y'a rien. Ah, c'est ça? Ça a explosé? Ça a explosé. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire, messieurs, dames.
Je ne comprends pas. Elle est au-dessus de la porte, l'entité. Mais de quoi? Mais comment on y va? On peut pas. Bon, frérot, ça mène à rien. Vas-y, ça mène à rien. Je pense qu'il y a un autre chemin. C'est comme le tuto. Mais de quoi? Il y a un truc ou pas? En fait, je veux pas passer dans le... Ah, il y en a un là. Et il y en avait deux. Et il y en a encore une? Ah, et si la dernière, elle était là où il y a le monstre, les gars, justement? En vrai. Ça vous semble pas possible, ça? Tu vois? Ah ouais, elle est là-bas, mec. Elle est là-bas, mec. Il y a les lianes qui vont là-bas, parce qu'elle est là-bas, non? Putain de merde, frère. T'es à 9K âme, rentre au bercail. Je peux pas le faire tomber en faisant ça, les gars. Ça va pas marcher. Il est trop loin. Il y en a une là-bas, oui ou merde? Parce que la liane, elle va là-bas. Et elle allait aussi là-haut, tu vois, elle passe là, et en même temps elle va de l'autre côté, et pour autant il n'y a rien, les frérots. On est sûr que c'est comme ça qu'on ouvre les portes, c'est en brûlant les trucs autour. Vous êtes sûr et certain de ça? Vous me bullshitez pas, là. Tu vois, en même temps la liane, elle va aussi là, hein, et pour autant il n'y a pas d'entité à retirer, hein, regarde. Tu captes? Il n'y a rien. Donc bon. Ah, les gars, fait chier. Oh! Il y avait un truc dans le feu, what the fuck. Ah. Ah. Ah ouais. Mais comment je fais? Pour moi, on fait le truc à l'envers là. Faut accéder à ça par là-bas en fait. Je pense. Faut que je redescende là-bas à droite. Je suis venu de là-bas, je peux descendre de là-bas, non? Les gars, le monde des morts, si on se plante, je vais commencer à me faire aggro par des chauves-souris, d'accord? Et je vais me faire baiser. Je mets le. Bon, vas-y. Si on meurt, les gars, je vais vraiment vous en vouloir. Putain, je vous aime. Je suis désolé, je vous aime. Merci pour tout, je vous aime. Je vais me foutre en l'air. Il y en a deux autres. Elles sont où? 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 Elles sont où, putain de merde? Ah, oh, je suis dans la merde. Plus que jamais, je suis dans la merde. C'est une folie comment je suis dans la merde. Ah, oh là, le multiplicateur, il monte déjà, regardez. J'ai plus de potions. Je savais que j'aurais dû me barrer. Je savais. Tombe. Des papillons là? Non, c'est rien. Je vous dis la vérité, je pense qu'on est mort. Dans la cloche là? Y'a rien, que dalle.
Vas-y, je crois que je retourne à la base, mais je sais même pas si je peux dans le monde des morts. Là, idéalement, s'il y a quoi? Y'a pas. Viens, viens, monstre. Allez, viens, monstre de merde. Allez, viens. Fais ta charge, s'il te plaît, fais ta charge. Dépêche-toi. Les gars, on joue un jeu très dangereux. Y'a à gauche de quoi? Rien, les gars, y'a rien. Putain. On peut pas passer. Bon, lui, il faut faire un truc, hein. Il faut faire un truc ou on est mort. Vous imaginez pas mon PPM et mon level de stress là. Cette histoire elle va mal finir. Ça va très mal finir. Qu'est-ce qu'on branle? Il s'est décoincé. Non, c'est pas grave, on peut récupérer les thunes encore. Il s'est décoincé d'un coup d'un seul, les gars, je sais pas quoi vous dire. Ciao l'ami, hasta la vista amigo, bye bye. C'est seulement j'avais une putain de graine à planter ici là, comment on serait cheaté. Ah mais ça va, on a activé le raccourci frérot. Ça va, faut que je tape. Vas-y à foutre, je ne veux plus vous entendre. On est déjà là les gars, tout va bien. Attends, parce que lui il va nous casser les couilles d'en bas, d'ici. Bien joué. Ok. Par contre, faut que je fasse gaffe. Je vais mourir, faut que je fasse gaffe. Ça va, tout va bien. J'ai perdu beaucoup de vie pour de la merde. Beaucoup de vie pour de la merde. Mais je vais pouvoir récupérer mes trucs. J'aimerais bien juste faire ça avant. C'est là que ça va être chaud les gars. Même si tu maintenant je m'en bats les couilles. Ok. Comment je gère deux idiots pareils? Faudrait qu'ils me chargent et qu'ils viennent là en vrai. Je me prends quoi dans le dos là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis mort. Il y a un truc qui me tire dessus de l'autre côté là. Je suis mort. Tu sais quoi? Je vais remonter. Si je peux, ce serait cool. Comme ça, je vais. C'est mort. À cause du double X, c'est mort.
Oh! C'est bon. Comme ça, je vais perdre mes âmes là-haut. Ok? Ce qui m'arrange bien. Salut les gars, vous allez bien? Moi, ça va. En fait, il y a l'autre truc là-bas. Le problème, c'est que je peux pas. Voilà, lui, frère. Quel chien. Qu'est-ce qu'il fait? Je t'ai dit de taper avec ton arme. Allô? Allez, meurs, voilà, je préfère mourir ici. Ok, on va revenir sans être dans le monde des morts pour prendre notre thune. Je l'avais, hein? Ouais, je l'avais. Et on va voir ce qu'il en est. Putain, il est dur ce passage. Essaye la graine, tu l'as. Non, j'ai pas de graine. Ça simplifierait ma vie, je n'ai pas de graine, malheureusement. Allez, les gars, on y croit, allez. Putain, le passage de zinzin, frère. Oh là là, c'est horrible. On perd une partie des âmes quand on meurt ou pas, les gars? On garde tout. Vraie question. Mets-moi une charge, s'il te plaît. S'il se relève, je... Ah non, c'est bon. Pas mal ça, la soluce de il tombe. Pas mal. Je veux juste mes sous là. Là, je vous dis la vérité, je veux juste mes sous. Je m'en fous. Plus rien d'importance à part ça. C'est bon. M'en bats les couilles de t'être pris ce truc. Donc là, le blême, c'est qu'il y a le. Il y a l'autre créature qui m'éjacule dessus. Qui fout la merde. T'as une graine, mec. Non, les gars, je n'ai pas de graine. Regardez, il y a zéro, il y a marqué zéro, j'ai pas de graine. Donc maintenant, la question c'est... Le problème, c'est que lui, il va me tirer dessus, donc j'ai aucune chance de gagner mon fight. Là, l'autre bâtard que vous voyez, voilà, lui là, qui vient de me faire ça. Donc moi, ce que je vous propose, les gars, c'est je me pète d'ici, frérot. Je me pète d'ici avec ma thune. J'en ai RAF. Et je vais acheter la putain de clé, et on ouvre cette putain de porte. Et au moins on aura save notre thune. Je peux pas revenir en arrière. Je peux pas revenir en arrière, je crois, les gars. Ah si, je crois que si. Ah putain, il va me faire chier. Ah mais si, c'est bon, regarde. Je peux carrément revenir en arrière grâce à ça, frérot. Je deviens pas, non. Pas du tout ce que je voulais faire, mais ok, pourquoi pas. Voilà, là, il y a fou de gens, faut que je fasse gaffe, je les ai pas tués à l'aller, ils seront là au retour, on le sait. C'est bon, les thunes sont sauvées, je vous le dis. Oh putain, c'est pas... Au pire, je meurs là, c'est pas très grave. Ouais, bien sûr, c'est vous. Allez, les gars. Oh putain, enfin! J'aime bien mettre aveugle. Ouais, c'est mon problème dans ce genre de jeu. Mais voilà, les gars. Je suis peut-être aveugle, mais j'ai gardé ma thune! C'est vous, chat, qui avez acheté la clé ou il s'est mis ça en tête? Non, je me suis mis ça en tête, ça m'intrigue. Donc on va voyager vers un vestige. C'est au repos astral, non, qu'on peut acheter cette clé? Oui, c'est là. Le truc, c'est de retrouver la porte que la clé ouvre. Vous voyez? Problème de riche. Sale riche. Allez, donne-moi la clé. Oh mon dieu, la 9005, les gars. Certaines portes dans le nid du pèlerin. Ok. Ok, où est... Ah, j'ai une carte du promontoire aux cloches. Attends, j'ai une carte. Alors, c'est là, regarde. Attends, quoi? Faut aller... Un truc où il y a full cloche...
qui t'amène à un truc en rond. Et en fait, faut sauter dans... Ok, je retourne où j'étais. Je pense qu'on va le trouver, la porte. On était dans... Bah, c'est dans... On était là, non? À la base, je passais juste chez Kedlav, c'est 4 heures que je suis dans... Ouais, mais c'est prenant, ces jeux-là. La porte, elle est là, c'est ça, non? Oui, messieurs, dames! C'est quoi la blague, là? Mais c'est quoi la blague? Ils sont trop forts. C'est... Allô, tu es qui? Tu es qui? Mais... Bien joué, t'as attaqué avant, bravo. Oh! Ok. Oh merde! J'ai oublié que c'était ça. Frérot, lui il fait très très mal. Son bouclier de merde là. Ah, j'ai hésité entre deux touches. Ok, c'est pas grave, on va y arriver. C'est pas grave. Tout va bien. On va le baiser. Mais c'est quoi cette porte qui mène vers ça là? C'est plus tard cette zone, t'as pas le niveau frérot. Non les gars, on n'a pas acheté la clé pour atterrir là. Il y avait une porte là, on voyait un coffre de l'autre côté, c'était où? Vous vous souvenez, on a vu ça ensemble. C'était où putain de merde? C'était l'autre porte, mais elle est où? Je me suis fait baiser mes armes par contre là. C'est quoi le délire là? Ouais, je trouve. Au vestige que tu as planté. Hein? C'est pas vrai. Et où sont mes orbes? Au deuxième boss, à la mini-boss. C'est le monstre qui t'a tué qui a les âmes sur lui. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Où tu t'es tapé avec la mini-boss, c'était où ça? Je me souviens pas, c'était là? Non. C'était là? Je peux pas prendre la thune, attends. C'est pas grave, les 2000, je m'en fous les gars, on a perdu 2000 sur 11000, c'est pas très grave. Je veux juste retrouver la porte où il y avait un coffre, vous vous souvenez? Bah voilà, vous êtes des fucking monstres, voilà les gars, regardez tous les trésors, on va trouver un truc de fou! Aïe, à nous l'arme sacrée ou la tenue de malade! Ou résonance? Sacré! Hein? Mais... Hein? Oh, c'est pour un méga chevalier. Oh non... Oh non... Mais c'est une dinguerie les réductions de dégâts? C'est une énorme dinguerie les réductions de dégâts que ça fait. Attends. Si genre ça, je me mets un truc plus léger, genre ça. Je repasse en moyen. En plus, j'ai un flow de fou. Les gars, je suis en encombrement. Vous voyez la barre d'encombrement, elle est peut-être derrière la cam. Attends, vous la voyez ou pas la barre d'encombrement? Ouais, vous la voyez, elle est pile sous moi là. Je suis en moyen. C'est pile pour baiser les mecs qu'on les pique, ou le mec avec le chevalier là qui me cassait les couilles. Mais frérot, mais c'est exceptionnel. J'ai un meilleur bouclier, je crois. Ouais, regardez, j'ai un meilleur bouclier, il est là. Oh là là, on est à la limite du moyen. Oh là là, mon frérot. Non mais là par contre, en résistance les gars, vous rendez pas compte ce que vient de gagner. Les items ils donnent plus de 100 là, genre on a doublé notre résistance là. Oh frérot, vas-y, je vais exploser le mec qui vient de m'exploser. On va le détruire. On va lui péter le cul, les gars. La tenue est folle. Il était bien, il est mieux prévu ce petit live, on se régale, putain. Attends. Bah, je vais pas faire plus de dégâts, par contre. Hein. Mais normalement, je vais lui déglinguer sa mère.
C'est pas grave. Ouais, il fait moins mal vite fait. Mais vous savez comment on va le battre? On va le battre grâce à ça. Par la lumière sacrée! Pas mal. Il fait mal, wesh. Mais lui, c'est un mini-boss, hein, carrément. Oh, on a tué deux ratés. C'est un combat de bizarre, hein, mais on est là. Ok, d'ici c'est bon. Il est en plein bug, c'est win. On est mort. Oh fils de pute, t'es trop fort. Tu triches, frère, tu montes sur un petit rebord, c'est de la triche de fou. Tu sais de quoi je parle. C'est pas grave, on prend. Tu triches! Il a pris la hauteur, il se prend dans Fortnite! Non, c'est pas maintenant qu'on va mourir. Yes, mec. Yes, mec. Lui, il va nous looter un truc de zinzin, mon gars. On reprend notre vigueur. Non, les gars, on est sur une run perfect. On reprend notre vigueur. On prend son item. Celle sacrée mineure, ça pue sa mère! On bat les couilles. Faut que j'aille là-bas. Ah, est-ce que je vois? Ah, it's a trap! I'm gonna die! Ah, wow, wow! Mes frères, c'est une folie ce qui vient de nous arriver. Je suis abattu. Frérot. Enfin. Mais enfin. Mais on est où là? Lui faut le baiser quoi qu'il arrive. Calme-toi, je vais tuer lui. S'il te plaît, casse pas les couilles. Attends. Attends, parce que là j'ai déjà, je vais prendre ça. Le loot, évidemment, je vais pas le prendre du tout, mon frérot. C'est grand ici, hein. Attention, hein. C'est très très grand ici. Hein. Ah mais on pouvait descendre par là. En fait là-bas ça sert à rien, c'est juste des pièges en fait. Eh, là-bas c'est la merde, il y a lui, il y a machin, il y a un piège. Je m'en bats les couilles de là-bas. Allez. C'est fini. Quand je te dis que c'est fini, c'est que c'est fini. Voilà, je te le dis. C'est fini. Bien joué. C'est un beau guet-apens. Bien joué, j'ai failli mourir. Bien joué, félicitations à vous. Félicitations. Je suis mort. Mais je revis dans un instant. Regardez bien. Je revis. Et voilà. Et cette fois, je vais vous casser votre gueule de merde à tous. En fait, cette zone égale est pour plus tard. Regarde, même lui là, qui est normalement un méga Bambi, je galère. Oh. Des ennemis partout, je peux pas. Wesh. La folie. Cette zone est pour plus tard, 100% mec. Oh le con. Oh putain de merde. Oh putain, là je vole. Là, je cours vite, j'essaie de trouver le loot, mais c'est compliqué. Hein, tu vois ce que je veux dire? Oh putain, il a une grande épée, je vais me faire casser la gueule. Attends, c'est quoi ce merdier? Oh, putain. Attends, il y a un truc à faire là. Ah, je dois cramer les choses. Ah ouais, ils sont de l'autre côté de la porte, je capte. Ah, je vais me faire des fois. Je peux vous dire un truc, c'est que là... Oh non, pas eux. Ah non, ça suffit un peu, ouais. Regarde, même eux. Non, en fait, c'est une zone pour plus tard. Regardez. Regarde, même lui, le roi des bandits, il a une vie de fou. Ouais, c'est définitivement un... À part lui. Bon les gars, je peux pas me faire cette zone, elle est trop au level, putain. En fait faut revenir là plus tard quand t'as battu, je pense, le prochain boss, t'as level up et tout. Ah, il est déjà 1h43, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut aller dormir. Bon, et ben mes amis,
s'est quand même bien régalé, on va pas se mentir. Merci à vous d'avoir regardé ce petit live. C'était un vrai bonheur. C'était Lord of the Fallen, un Souls-like, vous l'aurez compris. Très mignon. On a passé un très bon moment. C'est marrant, les jeux comme ça d'aventure et tout. Bon, en fait, j'ai pas assez de temps ce mois-ci et tout pour le full faire en live, mais je pense que j'y rejouerai offline. T'es vraiment fatigué, bah, je suis plus le vert en plus de sortir un atout et tout. Mais écoutez, j'ai passé un très bon moment. C'était un super petit live. Trop bien. Merci Lord of the Fallen pour la sponsor. Je me suis régalé. Bonne chance si vous jouez au jeu. Faites un chevalier. Je vous dis, si vous faites un chevalier, c'est la clé de tout. En plus, regardez, là, on a trouvé l'armure cloche qui est genre, je pense, la première armure aussi forte qui te donne autant de résistance physique du jeu. En plus, on a trouvé une grande épée pareille qui allait péter des culs là. Si on était full force et qu'on avait fait un chevalier, on aurait été incroyable. Voilà. Les armes radiantes, on les a pas croisées, malheureusement. Mais bon. Il sort sur PS4. Je sais pas sur quoi il sort. Attends, je regarde. Il sort sur PS5, Xbox One, PS4, Xbox Series et PC, ouais. Donc voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé.